Bonsoir tout le monde! Pépé le laconique, putain. Bon, attendez, je vais remettre les. Voilà. Bon, on était où dans ce perdier? Ouais, on avait. Oh là là, on avait fait la fin terrible avec les deux légions romaines. Ça m'avait coûté quasiment toute mon armée. Mais on avait dégagé les deux légions romaines de Grèce. Il y a toujours une flotte à Apollonia. J'ai la chance au niveau diplomatie d'avoir fait une bonne diplo. J'ai des pactes de non-agression avec tous mes voisins. Je fais du commerce. On est plutôt safe sur ce point-là. On va essayer de se concentrer sur, sur Rome. Il y a de l'argent qui rentre dans les caisses aussi. Je suis en train de mettre sur pied une flotte avec mon nouveau modèle de navire. Donc avec mon modèle plus lourd de navire. J'espère qu'avec ça, je pourrais peut-être faire la différence dans l'Adriatique. Et peut-être commencer à harceler les ports romains avec une flotte un peu plus lourde. Et là, on va essayer de remettre une flotte... on va essayer de remettre sur pied une armée. On va essayer de remettre sur pied une armée... pour... Parce que putain la vache... Ah ouais, j'ai... Ça coûte... Tout coûte cher. Au niveau des mercenaires, j'ai quoi sur place? Ouais, j'ai de la racaille... pas forcément exceptionnelle. Mais on va devoir... ouais. Je vais faire un tour où je vais aller plutôt dans la province d'Athènes, voir ce que je peux recruter. Et après, à Apollonia, il y a que la garnison. Il y a une petite garnison à Apollonia, même pas complète. Enfin, si, presque complète. Et on essaiera d'aller tomber dessus. Hein. Normalement, au niveau des bâtiments, je suis bon. Je crois que j'ai baissé les impôts. On pourrait monter les impôts d'un cran. Je pense qu'on peut se permettre de faire rentrer de l'argent frais dans les caisses. Voilà. Là, il m'aime. On fait du moins 6. Bon, là, normalement, j'ai un peu peur des armées. Mais normalement, j'ai les packs de non-agression avec eux. Hein. J'espère qu'ils vont pas m'attaquer, ces animaux-là. Sinon, je suis dans la merde. Salut, Kadam. Bon. Let's go. Bon, je bois un petit coup en même temps, hein. J'ai bien mérité, j'ai bossé comme un chien les jours derniers, là. Je bois même pas ma bière, elle est trop forte. Donc je bois de la pistrouille industrielle, bien fraîche, glacée. Y a pas à chier, des fois c'est bon. Donc ouais, après on sait que le Romain, il peut produire, hein. Donc c'est peut-être une question de temps avant qu'on revoie des légions romaines se repointer, repasser l'Adriatique. Mais là... J'ai un petit répit, sachant qu'il est en guerre contre Carthage, qui peut pas m'envoyer toutes ses troupes. Il faut aussi qu'il envoie des troupes en Sicile, le Carthaginois, il envoie le pâté. Donc on va continuer à mettre un peu la pression sur Rome, pour que la guerre, là, elle dure entre Carthage et Rome. Plus ça dure, mieux c'est. Salut tout le monde. Plus ça dure, mieux c'est. Ah oui, les Romains sont forts, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça met du challenge aussi. Pour faire une flotte. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, Mozuta? Je suis en train de construire des bateaux, mais je viens seulement de débloquer les niveaux supérieurs. Donc là, je suis en train de lancer mes nouvelles galères, mes galères lourdes, en fait. Je vais aussi envoyer mon espion en Italie pour aller voir tout ce qu'il y a au nord de l'Italie. Et peut-être essayer de trouver des futurs alliés contre le Romain. Je pense pas qu'il ait déjà unifié le nord de l'Italie, le Romain. J'espère qu'il a pas unifié déjà le nord de l'Italie. En fait, je ne sais pas grand chose de ce qui se passe en Italie. Et je voudrais bien avoir des news. Donc j'ai commencé à envoyer des espions pour aller voir Carthage aussi. Et on va commencer à élargir un peu notre champ de vision. Je vais voir si je peux faire un nouvel espion. Alors. Ok, you pilgrims, good omens. Ok, oh, parfait. Ici on va les mettre banana dans, hop, voilà. Ici on va aller à là. Alors on va lever ça normalement. C'est des pierres yokoi. Voilà, on va pouvoir remettre une armée sur pied. J'ai pas besoin de tant que ça de phalangistes, Des épéistes. Et peut-être ouais, eux, leur morale est vraiment merdique. Par contre, j'ai accès à de la... Ah non, ça, c'est les trains de bagages. Ça, non, on va pas prendre les homoïs. Les homoïs, c'est le tiers-un. Et au niveau des mercenaires, je pourrais me payer dans... Ouais. Oula, j'ai une pénurie de bouffe, là. Ça fait chier, la pénurie de bouffe, là. Ça fait chier, la pénurie de bouffe. C'est con, parce que j'ai mon port qui est bientôt fini. Est-ce qu'on importe de la bouffe pour quelques tours?
Non, on va pas. Est-ce qu'on n'importerait pas de la nourriture? Ah merde, j'ai pas une porte. J'ai pas accès à cet édit là. Ah si, mais j'importe déjà de la bouffe. J'importe déjà de la bouffe. Oh là, il va vite me falloir plus de nourriture. Hein. Il va vite me falloir plus de nourriture que ça. Hein. Sinon, ça va être difficile. Hein. Ou sinon, non, attendez, je sais ce que je vais faire. Ce qu'on m'avait conseillé, je vais faire ça. Voilà. Je vais arrêter de taxer cette province. Tant pis si je fais moins d'argent. On va monter les impôts. Voilà. En attendant que mon port soit fini. Là, on va lever de la troupe, 4 unités. Et normalement, avec ça, plus un jeu de mercenaires, on devrait être en mesure d'aller peut-être prendre Apollonia. C'est une petite flotte qu'il y a là-dedans. On va continuer à mettre sur pied ma flotte lourde. Recruit unit. Ah, je peux pas. Ah, j'ai pas assez de MP. Bon, c'est pas grave. On va faire le gros dos. Alors, le renseignement. Hop là, j'ai mon espion. Oh, il y a déjà une nouvelle légion de prêtres. Il y a déjà une nouvelle légion de prêtres. C'est terrifiant. Hein. C'est assez terrifiant quand même. Hein. Hop là. Bah après, on va aller avec armée bagage. Hein. On lui pètera encore une légion s'il faut. Hein. Comment ça se passe en Sicile? Je crois que je vois encore la bordure sicilienne. Syracuse est toujours là. La ville Syracuse est sous siège. Hein. Syracuse est sous siège. Hein. Est-ce qu'il y a quoi en Mercos sur la province? Ah, je peux rien lever en mercenaire. Ouais, j'ai tellement pompé dans ma MP aussi que je vais lever mes petites infanteries. C'est, voilà, c'est de l'Eliot. Et après ça, dans la foulée, dès que c'est fini, on va marcher sur Apollonia avec armes et bagages. En soi, on fait des tunasses. On n'est pas si malheureux que ça. Ici, l'ordre public est en train de monter. On est pas mal. Allez, c'est parti. Et on va surveiller la légion romaine qui est à Taras. S'il faut péter une autre légion romaine, on va en péter une autre, hein. Ok, il traverse pas. Ok, il traverse pas, pas encore. On va aller voir ce qui se passe en Sicile avec mon agent. Après, on retournera dans le nord de l'Italie. On va un peu se balader. Paiement de maxi militaire. Écoute, pour 300, je suis prêt à te donner. Oh, l'artillerie a déclaré la guerre aux Romains! C'est parfait! L'artillerie Maximus! Merci pour le sub! Merci pour tes 3 mois, mec! L'artillerie vient de déclarer la guerre. Donc encore un ennemi contre Rome. Ça, c'est des bonnes nouvelles, ça. Plus il y a d'ennemis sur Rome, mieux c'est. Maintenant, s'ils pouvaient traverser l'Adriatique, l'artillerie, ça serait magique. Hein. Ouh, Apollonia. Apollonia avec juste la garnison en défense, ça tombe en un tour, ça. Oh non, mais non, Rod qui me déclare la guerre, t'es sérieux? Mais pourquoi tu me déclares la guerre? Qu'est-ce que je t'ai fait? On avait des bonnes relations, toi et moi. Oh mais non, mais l'IA au pire moment qui te cancérise. Le mode est absurde en fait, des fois. Il a aucune raison de me déclarer la guerre. Genre, j'ai entendu des bonnes relations avec lui. On s'entendait bien. On va voir s'il a une flotte de guerre. J'irai barrer l'accès avec ma flotte de guerre. Putain, les déclarations de guerre à la con comme ça. C'est dur de... Je comprends pas pourquoi ils le font en fait. Genre, pourquoi c'est codé pour le faire? Genre, il y a un mec qui s'est dit que ça serait amusant que ça arrive, ce genre de choses. Faut comprendre la diplo. Mais il n'y a pas de diplo. Elle est absurde, ta diplo. Elle a aucun sens technique. C'est pas une question de doc, c'est une question que c'est codé par le trou de balle. Le mec, il a aucune raison de m'attaquer, je suis plus fort que lui, on a des bonnes relations. Je suis même... Aucune raison. Comme je dis, c'est codé avec le cul, c'est tout, c'est des gros feignants qui ont fait ça. Hop là, bon, mon amiral. C'est le mode qui est aussi méchant. Non, c'est le mode qui est nul à chier, c'est pas pareil.
Ça, c'est des mécaniques de mode qui sont stupides. C'est juste, oh, on va faire chier le joueur en lui mettant des mécaniques de jeu qui sont absurdes. Encore que le Romain soit fort, ça ne m'étonne pas. Mais que des mecs qui ont aucune raison de déclarer la guerre, déclarent la guerre, c'est pas intéressant. Bon, les salt chips, bon, allez, hop. Rien à foutre que ce soit le mode ou pas, c'est juste stupide. Fou. Tout. Ouais, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Voilà. Bon. Si. Je pense. Est-ce qu'il a une flotte? C'est même pas sûr qu'il ait une flotte de guerre. Le problème, c'est qu'il peut intervenir sur. Je vais me laisser un tour pour lever des bateaux. Le maximum de bateaux, 1200. Oh putain, j'ai même pas assez de. Le problème, c'est que j'ai même pas. Ah, mais j'ai des bateaux mercenaires au pire. J'ai une flotte de bateaux mercenaires. Et j'ai de l'argent. Donc dans le doute, on va lever. Voilà, ça coûte une blinde. On va lever une flotte de Mercos. Voilà, et on va aller faire le blocus de son port de merde. Et on va aller lui casser la gueule. Voilà. Pendant ce temps, mon armée, elle est prête. Direction Apollonia. 16. J'ai encore un peu de thunes. J'ai encore un petit peu d'argent. Levons ce qui peut être levé. Un peu de cavalerie. Voilà. Et de la petite troupe de seconde zone pour couvrir les arrières. Ouais. Voilà. Tour d'après, on va tomber sur Apollonia. On va voir ce que fera la Légion. Est-ce que je peux... Non. Comment je fais pour... Okay. On va voir si la... Elle est au complet, la Légion, là. Ouais, 20 troupes. Putain, s'il me renvoie une troisième Légion dans le museau... Putain, et l'autre qui me déclare la guerre. Hein. Bon, si je lui pète son armée, peut-être que... Surtout qu'il est... Rod est un état client de Pergame. Mais Pergame, c'est un... Ouais, Pergame, ouais, il regarde comme tout le monde, Pergame. Aucune idée. Hein. Ouais, Pergame, on s'entend bien avec Pergame en plus. Il y a aucune raison qu'on soit pas en bon terme. Bah, c'est pas grave. Ça va me coûter cher, mais ma flotte va être là pour ça. Et voilà. Bah non, c'est Rod qui est... Hop. Hop. Ah oui, d'accord, c'est Pergame qui est l'état client de Rod. Bah écoute, Rod... il est en guerre contre tout le monde, qui se démerde. Et Rod, je vais aller foutre ma flotte tour d'après dans le Détroit. S'il sort son armée de Clodo, là, on la coulera. Voilà. J'ai d'autres priorités, entre autres m'occuper de Rome pour le moment. Je peux pas être partout à la fin. Allez, au tour suivant. Ouais, le placement, il y a le Séleucide, il y a l'Égyptien. Oh là là, les deux légions. Les deux légions romaines. Il y a deux légions romaines. Le problème, c'est que j'aurais aimé, là, envoyer ma flotte de guerre là-bas. Mais je peux pas envoyer ma flotte de guerre. Il y a Rod. T'as Rod qui fout la merde dans mon gameplay, quoi. Oh, c'est terrifiant, hein. Là, parce qu'avec ma petite flotte de guerre, là, je pourrais aller contester l'Adriatique. Mais je peux pas! À cause de Rod! Monsieur Pierrot! 4 mois, merci mec! Merci pour ton prime, c'est très gentil! Monsieur Pierrot qui remplit les caisses de Sparte. Seulement, je pouvais remplir le caisse de Sparte avec des primes. Parce que là, j'ai pas beaucoup de thunes, hein. Mais Rod, il acceptera jamais la paix, cette espèce de con, là. Attends, c'est pas une... C'est à qui, ça? Personne n'accepte la paix dans ce mode. Si, ça arrive, quand même, des fois. Oh là là, alors lui, il me fait peur, hein. Si lui, il vient attaquer Pella, je suis dans la merde, hein.
C'est Rod, il a deux stacks. Il a deux putains de stacks. Par contre, l'autre, s'il vient m'attaquer le pirate, là, je suis dans la merde. Hein. Je peux pas affronter Rom, les pirates et Rod en même temps. Et surtout que Rod, il m'a pas fait chier de toute la game. Hein. Genre, on est quand même bien avancé. Il m'a jamais fait chier. Bon, qu'est-ce que tu veux, toi, des motifs, m'emmerde pas. Bon. Oh là là, est-ce que je vais défendre Pella? On va faire le blocus du port. Bah là, je vais sortir hein, et on va. En soi, son armée sort pas. Son armée a pas l'air décidée à partir. 17 bateaux. S'il sort, je l'intercepte. Lui, il pourra pas aller bien loin. Moi, je peux aller quasiment où je veux là, avec ma flotte. Par contre, il y a les pirates. Est-ce que j'attaque les pirates avec ma flotte? Parce que là, il va à Pella. Hein. Le pirate, là, il en a après moi. Hein. La ville, je suis pas sûr que je défende. Hein. Ma garnison, elle est pas complète. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y va, d'ailleurs. Sauf que je voudrais bien aller attaquer... Je voudrais bien aller attaquer Apollonia. Oh là là... C'est chaud. Bah ouais, c'est chaud, mais... Ai-je vraiment le choix? Le problème, c'est que j'attaque le pirate. Si j'attaque le pirate, Rod sera libre pour aller débarquer en Crète. Et je peux pas faire de flotte, j'ai pas les moyens financiers. Par contre, éventuellement, j'ai mon général ici. Qui est un peu merdique, mais on pourrait en vitesse lever une petite troupe. Recruter une unité. Une petite troupe d'hoplites. Ça me fait chier de lever de la bonne troupe comme ça, mais... Je suis même pas sûr que je vais réussir. Ça va suffire. Bon, attendez. Là, on va débarquer avec l'espion. Oh là là, mais hey, deux légions, quoi. Deux légions pleines. C'est terrifiant. Hein. Le problème, c'est que si j'y vais, il me faut ma flotte. Il me faut ma flotte! Et Rod, il voudra jamais faire la paix, cette espèce de con, là. Non, l'eau. Il voudra jamais faire la paix. C'est quel type de bateau, les pirates? Je présume que c'est pas des bateaux de transport. Hein. Parce que là, malheureusement, je vais avoir du mal à défendre la ville face aux pirates. Hein. Elle est pillée, rasée. C'est une bonne question. Il se passe quoi si les pirates prennent la ville? Aucune idée, hein. Je vais continuer à faire des bateaux. Je peux même pas continuer à faire des bateaux. J'ai plus assez d'argent. On va augmenter les impôts. Tant pis. Il me faut. Hop. Allez, les impôts. À fond. Oh, la catastrophe. Hein. Ensuite, pour couvrir Pella, le temps de. Bloquer. Mais mon armée du Sud, couvrir quoi? Mais t'as vu mon armée du Sud aller? T'as vu à quelle distance elle est? De Pella? Putain, les conseils, quoi. Les conseils du chat. T'as conscience que les pirates, ils sont là dans un tour. Moi, avec mon armée ici, il me faut au moins 3 tours pour y aller. Putain. C'est dur. C'est dur. Rod, de toute façon. Putain, moi, j'ai envie d'attaquer la flotte pirate, hein, mais on est moins nombreux. Mais est-ce qu'on n'a pas des meilleurs bateaux que lui? Ou alors, est-ce qu'on pourrait pas faire le blocus du port Rod, pour l'instant, il bouge pas. Et il y a deux stacks de Rod. Il y a un stack ici. Et il y en a un autre là. Mais pour l'instant, il bouge pas avec ses armées. Et s'il bouge, je peux lui tomber dessus en un tour. La garnison de Pella. Non, malheureusement, Pella est vide. Je viens d'apprendre la ville. Hein. La garnison est très très légère. Sauvegarde et test. Bah non, mais on sauvegarde pas, les gars. C'est bon, si à chaque fois qu'on a un problème, on sauvegarde, on n'en sort pas. Si le mode est trop dur, le mode est trop dur aussi. Hein. C'est le jeu. Hein. J'ai pas de level. Hein. Puis on va dire que c'est aussi un gros tas de merde, hein, le merdier. Hein. Il y a beaucoup de choses qui font aucun sens hein, dans le mode. Hein. Là, la déclaration de guerre de Rod, pardon, mais bon, hein, c'est quand même bien me prendre pour un couillon, hein. Hop là.
La question c'est est-ce qu'il va produire mes unités avant le tour, je pense pas. On va bien voir. De toute façon, on voit, rien que voir les deux légions romaines qui sont déjà là, ça me décourage. Regardez, allez hop là. Et une troisième! Non mais il y en a trois. Trois légions. J'en ai déjà pété deux, il en renvoie trois. C'est injouable. C'est simplement injouable en fait. J'arriverai pas à en péter trois. Et comme les IA ennemis ne lui font absolument rien, genre les légions ne prennent quasiment aucune perte, bah... voilà quoi. On va voir. J'ai d'autres problèmes que la ville là, tu vois. Et les trois qui vont chez toi, bien sûr. Genre en fait, Carthage, il sert à rien. Genre Carthage est nul à chier. Carthage sert à rien du tout. Genre c'est comme si Carthage en fait n'avait aucune troupe et que le Romain fait juste du porte-à-porte sans aucune résistance. Je me demande qui a codé ça quand même. Ok, c'est bon, il va pas en ville. Il va pas en ville, c'est une bonne nouvelle. Putain, et s'il n'y avait pas Rhodes? Vous savez que là, s'il n'y avait pas eu Rhodes, j'aurais pu aller intercepter une de ses flottes en mer avec ma petite flotte de guerre, là. Et ça se serait peut-être mieux passé, tu vois. Mais non. Oh là là. Pff. Syracuse a tombé aux mains de Carthaginois. Ok! D'accord! Syracuse est tombé aux mains de Carthage! Ça, c'est une bonne nouvelle! Peut-être que Rome va commencer à devoir penser à défendre en Italie! Oh non, mais il y a 4 légions! Il y a une légion qui a débarqué ici. Il y en a 2 là. Une troisième là. Maintenant, bah. Ah oui, je me plains de Carthage, mais je fais quoi là, quoi? Est-ce que j'attaque Apollonia tout de suite? La ville est vide. La ville est vide. Est-ce qu'on attaque Apollonia? On fait une petite bataille, on se débarrasse de la garnison, on défend en ville. J'ai quand même une belle armée de défense. On a vu que le Romain au niveau moral, c'était pas ça non plus. Moi, je vais tenter ma chance, hein. Je vais tenter ma chance, hein. Oh mais non, y a tout qui arrive! Non mais comment il est à portée? Il est en mer! Il est en mer! Non mais non! 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 Non, je me barre, c'est bon. Je vais aller défendre sur le pont là, le pont d'Avignon. Absurde. Genre donc là, le mec ici est considéré comme en défense de la garnison. Alors qu'il est au milieu de l'Adriatique. François, merci pour le sub. Non mais je comprends que le mode soit bien, mais à un moment, il y a quand même des mécaniques qui sont totalement... qui n'ont aucun sens. Bon, moi, j'ai plus qu'à me cacher et attendre que Carthage essaie de faire quelque chose, hein, parce que moi, je peux pas battre Rome. Hein. Rome est invincible, hein. Tout simplement. Ça, c'est le Vanilla. Je m'en fous que ce soit le Vanilla. Je m'en fous que ce soit le Vanilla et tout. Une mécanique qui a aucun sens, c'est une mécanique qui n'a aucun sens. Voilà, c'est comme Rome qui a 4 légions d'un coup, alors j'en ai déjà pété 2. Oh là là. Et l'autre qui m'attaque sans aucune raison. Il a aucune raison de m'attaquer. Il me backstab. Merde. Merde, quoi. C'est juste injouable. Et là, maintenant, il va débarquer. En un tour, il sera là. Et je serai absolument incapable de défendre. Et je peux pas me permettre d'avoir 2 stacks d'armées en même temps, quoi. Oh là là. C'est le full sabote, les hacks des révoltes pour créer des révoltes. Mais de quoi tu parles? L'IA a des énormes bonus. L'IA a des énormes bonus d'ordre public. Putain, encore un PGM du chat qui a jamais lancé le mode. Tu feras rien avec un espion. Tu crois que j'ai mon espion, il est pas occupé ailleurs à déjà me donner de la vision? Putain, retourne faire des châteaux de sable là, monsieur Storride.
Oh la galère! Putain, et là, vous savez qu'il peut tomber dessus avec deux légions, hein. Il va tellement cheater qu'il va débarquer avec ses deux. Ok, là il part au nord, il va carrément faire le siège là-haut, voilà. Ouais, la troisième légion qui traverse. Oh. Oh là 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 là. Il y a trois légions en Grèce, hein. Je peux pas aller les attaquer, hein. On va voir, je vais me faire petit, hein. J'ai donné un coup de main à Carthage. Une légion, 5000, ça se tente. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y en a trois. Pas de l'agression, je prends. Il me paye en plus, parfait. Là, je peux peut-être aller prendre Apollonia. Le souci, c'est si j'avais ma flotte de guerre, là. Si Rod voulait arrêter de me péter les couilles. Ouais, François, envoie-moi le lien pour l'agressivité des IA. Ou au moins du Romain, le reste, je m'en fous, mais... Juste que les IA arrêtent d'être aussi connes, en fait, au niveau agressivité. Un peu de logique, un mec qui a aucune raison de t'attaquer. Pourquoi il t'attaque, quoi? Ça se passe, le massacre de Romain. Bah, ça se passe pas bien, hein. Il a renvoyé trois légions du l'autre côté de l'Adriatique, hein. Il s'en fout. Il a des cuves de clonage à Rome. Ah bah, à ce compte-là, c'est pratique. Il faudrait que je lance un run sur Stellaris, plutôt. Mercenaries contact, ouais, allez hop. Oh, et les Ardéi, bah ouais, les Ardéi sont morts, en plus j'ai perdu un partenaire commercial. Bon, est-ce qu'on tenterait pas de prendre Apollonia? Mais si je prends Apollonia, je vais voir débarquer une. Non mais il a même pas pris de perte. Il a même pas pris de perte. Ah, si seulement je pouvais avoir ma flotte... Si seulement je pouvais avoir ma flotte de guerre, je pourrais aller me battre en... Il faut des alliés, mais ça sert à rien, les alliés. Les Romains leur roulent dessus avec une facilité absolument terrible. Putain, je peux pas affronter tout ça. Ma seule chance, c'est que Carthage... C'est que Carthage fasse une descente, quoi. Regardez. On a une énorme armée à Syracuse. La Sicile est entièrement... La Sicile, elle est entièrement carthaginoise, hein. Mais moi, j'ai pas envie d'être en paix avec Rome. Je vais me replier. Je vais me replier. Je vais pas chercher à affronter autant de légions. Ce n'est juste pas faisable. Je mets les voiles. Est-ce que mon champion pourrait pas aller aux infos? Faire du rance. Voir ce qui se passe. Parce que là, il peut passer par le nord. On va aller voir contre qui le Romain est en guerre. Le Romain, il est en guerre. Contre Carthage. Contre l'Ardierie et contre moi. En soi, le Romain a pas beaucoup d'ennemis, hein. Carthage, mon copain. Est-ce que tu serais pas prêt à faire du commerce avec moi? Non. Mais il est en guerre contre le Romain. Faut espérer que... Et Rod... Peace Treaty, mais même si je lui donne de l'argent, il acceptera pas cette espèce de con, là. Ah, modéré, attendez! Putain. Je vais te filer tout mon argent, mais si Rod fait la paix... Il y a un truc à faire. Putain, il rejette! Merde! Putain, il y a trois légions. Et je suspecte une quatrième. Bon, par contre, si ça veut passer à l'offensive, il y a peut-être un truc à faire. Oh, il a une belle flotte, en plus. Faut faire des cadeaux de thunes. Mais j'ai pas de thunes! Je les sors d'où, les thunes? Hein, je les sors d'où? Et le peu d'amis que j'ai, le Romain vient les buter. À quoi ça sert que je me fasse des alliés si les Romains les one-shot?
Étoile du matin, explique-moi ta logique implacable de merde, là. Putain... Faire des copains, mais ils se font one-shotter. Abstiens-toi de me donner des conseils s'ils sont pas intéressants. Va voir ailleurs si j'y suis. Laisse-moi être malheureux et dans mon sel. Oh là là, on a une première légion ici. Si seulement Carthage... Je suis sûr que Carthage va rien faire. Carthage m'a l'air tellement incompétente. Je suis prêt à parier que Carthage va rien faire du tout. Ma main a coupé. J'ai l'impression que c'est que Rome qui est sous stéroïde et les autres... Salut Fuka Luca. Passe une bonne soirée. Bon, visiblement les légions sont sur le nord, on va défendre vers Pella. Ah c'est bon François, on verra quand on verra. Bon, déjà les pirates de Thrace. Alors visiblement Rod fait rien. Et le pirate non plus. C'est des bonnes nouvelles? Je suis pas en négatif en argent. Et si j'arrive à décrocher une paix avec Rod, j'envoie ma flotte en Adriatique. Et on va essayer d'aller cartonner les flottes, les légions qui, les légions et les transports. Alors. Ouais, cette fois, Rod. T'acceptes. T'as vraiment compte que c'est moi qui dois lui mendier la paix. Il rejette. Je comprends pas la diplôme. C'est vraiment codé avec le cul. Hein. Bon par contre on a une légion romaine qui est là. On va venir défendre. Voilà. Mon champion, il va aller au renseignement vers Apollonia, voir un peu ce qui se passe. Voilà. On sait qu'il y a une légion au nord. On sait qu'on en a une ici, donc potentiellement deux là. Il bouge pas, ce connard. On va aller voir l'état de ses troupes. Ses armées sont fraîches. Il a une belle armée en plus, hein. Il a une belle armée, mais il en fait rien. C'est pas grave, hein. Le Romain, à un moment, il va devoir venir aller attaquer... il va devoir venir attaquer Carthage, hein. Oh, mais le Romain est déjà pas normos. Foucaluc, merci pour ça. Mais t'es pas déjà sub tout à l'heure, Foucaluc? Oh, j'ai dû louper. 3 mois en avance, putain, Foucaluc, merci, mec. Putain, 3 mois en avance, tu prends presque rendez-vous, hein. Et regardez, le Romain, avec une légion, il va prendre... On parie qu'avec une légion à 14, il va prendre toute la Sicile. Et que Syracuse va juste regarder tout le merdier tomber. Je suis prêt à parier. Hein. En fait, le Romain est juste trop fort. Le Romain est juste terriblement OP. Bon, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites troupes à recruter en vitesse? J'ai mes MPistes, j'ai ma cave peut-être. Est-ce que j'aurais pas de la cave... De la cave mercenaire, si, parfait. Voilà, contre le Romain, il va me falloir un peu plus de cave. Et peut-être des péricoy. Bonus contre la cavalerie. Voilà, parfait. J'ai un stack plein, hein. Ça sera une armée efficace. C'est bien balancé. Je peux manger une légion sans trop de problèmes, je pense. Et j'ai des réserves à Pella. Bah écoute, c'est moi qui te remercie hein, de me prendre le temps de venir regarder. Hein. Il y a juste ici... Alors, il est en train de crever. Hein. Si vous regardez, là, il prend des pertes d'attrition. C'est qu'une question de temps avant que ça passe. Il faudrait juste que Rod fasse la paix. Avec... Si Rod pouvait faire la paix avec moi, on serait pas mal, en fait. Le problème, c'est que là, mes finances sont dans le rouge. Est-ce que je pourrais pas... Combien de tours il reste pour finir mon port?
3 tours. Dans 3 tours, je pourrais récupérer de l'argent. Allez, tour suivant. On va peut-être avoir une bataille là. Une première légion romaine à casser. Oh là là. Oh mais regardez-le! Non mais hey, il prend les villes de Carthage en un claquement de doigts. Le Carthaginois, il se défend pas. On va voir s'il va se défendre, le Carthaginois. Mais il se défend pas. Pff, regardez, il a pas quitté la ville. Non mais c'est pas possible. Pourquoi Carthage fait rien? Il a une énorme légion toute fraîche. Une énorme armée. Pourquoi il joue pas? Est-ce que l'IA de Carthage est codée pour être simplement passive? C'est pas qu'il est salé, Pépé, c'est qu'on le met en face de fées absurdes. Alors forcément, il demande, quoi. Pourquoi est-ce qu'on lui chie dans la bouche comme ça? Je suis déjà vachement patient, mais là, bon... Le mec a une armée en Sicile, il roule sur la Sicile... Et en plus de ça, il se permet d'envoyer 3 légions simultanément en Grèce. Je sais pas, je m'en fous. De toute façon, j'ai aucune chance de... J'ai aucune chance de me friter. Ok, où il va? Non. Ok, ok, écoute, crève la gueule ouverte si tu veux. J'ai l'impression que Rod ne fait rien. Genre les armées de Rod, elles sont passées. Enfin, je comprends pas ce que... Je comprends pas comment l'IA fonctionne à Rome 2. Encore l'IA, je la comprends bien dans Medieval 2. Mais l'IA ne fait aucun sens dans Rome 2. C'est comme si elle était codée pour faire n'importe quoi. Par contre, Rome, elle est juste codée pour faire des trucs à l'infini. Puis elle envoie... C'est un Zerg, Rome. C'est un mélange de Zerg, Protoss et d'humain. Hop là. Oh, welcome to the party. Ok, allez, j'ai d'autres chats à fouetter là. Alors, regardez, Carthage... qui se fait casser la gueule. Et son armée a pas bougé. Ah si, son armée a bougé. Mais elle est où, son armée? On dit pas que son armée est rentrée en Afrique. Écoutez, je sais pas où est l'armée carthaginoise. Elle a même pas défendu l'île. Elle s'est barrée, je suis sûr. Bah oui, mais c'est que c'est les mêmes mécaniques de merde. C'est que le jeu n'a pas évolué. Le jeu n'a pas évolué depuis Empire. Tu sais qu'Empire, Rome 2 et tout, c'est la même diplomatie, c'est le même jeu Broken. C'est le même jeu Broken, Creative Assembly n'a jamais vraiment fait évoluer ses jeux. Hein. Et ça se voit. La diplomatie est toujours autant Broken, qu'importe ce que tu fasses. Bon. Où sont ces légions romaines? Ok, il y a 2 légions romaines là-haut. Bon, à un moment, on va devoir aller au carton, là. À un moment, on va devoir prendre des risques. Ici, ça a déjà pris des pertes. On va devoir prendre mon armée. J'ai une belle armée. Et on va descendre sur Apollonia. On va aller prendre Apollonia. Et on va essayer de battre les légions là où je peux les trouver. Et on va jouer, hein. On va jouer, hein, on va essayer. Hein. Tant pis pour Carthage. De toute façon, le Carthaginois sert à rien. Et on espère que le Romain se fera d'autres ennemis à l'occasion. Pour l'instant, il n'y a que Carthage et moi. Oh, et les deux légions, là... Et il a même pas pris de perte, c'est ça, truc. Il a même pas pris de perte, quoi. Ok, allez, tour suivant. Ouais, le Romain, il est fort, hein. Il faut des trucs pour le fixer et après le contourner avec du dégât anti-armure. Oh, regardez, bah voilà. Voilà la légion romaine. Bon, on va essayer de se farcir une autre légion, hein. Let's go, hein. Forcément, je suis donné largement perdant, hein. Logique. Oh, regardez là. Il a aucune cave. Il a juste une cave. Il n'a qu'une cave. Ça fait mes affaires potentiellement. Et on va essayer de se... On va essayer de se la mettre. Hein. Allez, c'est parti. Hein. C'est parti. Bah le but, gagner, j'en suis capable. Le problème, c'est gagner à quel prix? Il faut pas que je prenne trop de pertes. Il faut...
il faut pas que je prenne trop de pertes. Sauf que lui, il s'en fout des pertes. Il en a encore 50 exemplaires derrière. Courage Pépé, bah on va essayer. Hein. On va faire une belle ligne et on va venir flanquer et voilà. Et on va essayer de... On va utiliser mes esclaves, mes troupes un peu plus légères et puis on va... On va voir. Hein. Je vais avoir la chance d'avoir plus de mobilité que lui. On va faire une belle ligne. On va faire une magnifique ligne frontale. On va essayer de le fixer au centre. L'avantage, c'est que je vais pas avoir de cavalerie dans mon dos. Voilà. Là, je vais avoir toutes mes troupes d'encerclement. Voilà. Ça, c'est mes épéistes qui font beaucoup de dégâts. Ils vont mettre en réserve pour venir aussi encercler. Donc, je peux les mettre là-bas. Voilà. Oji, il n'y a pas de cavalerie en face, à part son général. Donc, on va essayer de... avec ma petite cave. Et il me reste... ça. Hop, hop. T'es qui toi? Oh, c'est des phalangistes! Ah, sympa, j'ai recruté des Mercos en Saris. Bah écoute, ça c'est parfait pour tenir, pour tenir le Romain sur le flanc. Une ligne de Saris. Mes Peltasts, ils vont être là pour mettre la sauce derrière le général. Et ça, ce sont mes. Une autre troupe de phalanges. Oh, mais. Là, le but, ça va être de fixer le Romain sur toute la ligne. Et de l'encercler et de le contourner avec mes épéistes. Voilà. Et là, ma jeunesse de Sparte, vu qu'elle est dure à recompléter, on va la garder en réserve. Voilà. Ça me fait une belle armée. Ça me fait une très belle armée. Et là, unité de Doplite en réserve qui a pris cher. Hop là. Au centre, les piques. Mais t'occupes. Mec, t'as vu les conseils de merde que tu me donnais avant? Laisse-moi faire ma game, va. Et retourne jouer en vanille. Laisse les grands jouer à ce mode. Bon. La seule cavalerie, c'est le général. Ah, j'ai pas beaucoup d'AP dans mon armée. Our hidden units have been discovered. J'ai un mercenaire qui est vraiment bon. Et ceux-là ont un peu d'AP, mais pas grand-chose. C'est normal. Allez, viens en cac. Faire flanquer ici. Allez, mes tirs, bordel. Allez, dépêchez-vous. On va venir les découper. Là, ça fuit déjà, les légers. Le général est en première ligne, on va commencer à se rapprocher. Et là, on les sauce.
récupère les... Oh, allez, le général. Allez, vas-y, 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 viens, 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 viens. Voilà. Ouh là là, il me fait mal. Ça fait tuer le général sur un accident, là. Non mais les gars, oh. Ok, c'est parti. On va venir encercler tout ça. Mais Peltas, ils ont déjà tout tiré, d'accord. Putain, ici, ça veut pas... Il veut pas avancer, ici, là. Oh merde, le général qui revient. Je me barre. Bon, là, ça va tomber, là. Voilà, ça tombe. Aïe, le général. C'est lui faire... Oh, ok, on lui a fait des pertes, au général. On va essayer de cramer ce qui me reste de projectiles et on va contrecharger. J'avais oublié que les projectiles dans Rome 2 ne faisaient aucun dégât. Ok, tout panique là sur le flanc. L'encerclement est passé. Là, on va essayer de tuer le général romain. Voilà. Ici, la paire a décidé d'attaquer. On va commencer à bouger. Voilà. Là-bas, le général romain est en panique. On est en train de le croquer. Allez, là, on va pousser sur le flanc. Let's go. On a eu le général romain. Et on va flanquer tout ça. Là, j'ai pas pu ici. Bon, le général romain, ils l'ont eu là, je pense. Allez, on va bien charger dans le dos. Chope les fuyards, ouais. Mon général, un petit coup de soin. Allez, un petit charge dans le dos. Allez, on se replie. Belle charge. Allez, on encercle tout ça. Ça va paniquer. Hein. Allez, on passe les épées dans le dos. Il y a plus de panique là. On va tenter une double charge dans cette unité. C'est des phalangistes. Et là, je me fais troller par de la light infantry. Oh, ma charge à louper. Charge merdique. Oh, ça panique, allez! Là, on va plutôt aller capturer tous les... Et là, on vient encercler tout ça. On va même leur tirer dans le dos. Voilà, allez, on leur tire dans le dos. Allez, on la prend, cette bataille. Hein. On n'a pas pris trop de pertes. Bonne victoire. Ah, il y a tout qui panique. Ah bah, on apprend à force. Hein. L'apprentissage avec Ragnar a été aussi assez efficace. Allez, là, on va bien charger dans le dos. Il est en cac. Ah, il y a tout qui panique, on les a encerclés. Ici, j'ai pris cher, mais ça a tenu.
J'aurais dû garder au moins une cave pour faire un peu de support. Ah bah ils sont formés. Allez, grignotez-moi ça. Putain, les Romains, le moral. Le moral, les mecs sont encerclés et tout, mais ça tient, quoi. Assez peu de pertes, ici, quand même. Hein. Quand même. Mais ça va. Ça va. Oh, attendez, la phalange, là, je vais essayer de la charger dans le dos. Fais-moi une belle charge. On va essayer de la faire paniquer. Allez. Boum. Voilà. Allez, là ça panique. Ça c'est de la belle infanterie, hein, les, la heavy spear, la infanterie. Oh là 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 là. Attends, on va faire tomber un peu le moral de tout ça. Voilà, allez, il y a tout qui fuit là. Voilà, allez, on croque tout. Voilà, il y a tout qui lâche, ça y est. On l'a gagné. On va essayer de tout capturer, hein. Là, on va en laisser partir le moins possible. Moi, j'ai encore des trucs fraîches pour la poursuite. Allez. Voilà. On a pris des pertes, là. On a pris des pertes, mais on est en mesure de lancer une autre bataille s'il faut contre une autre légion, je pense. Et ça va faire de l'argent dans les caisses aussi. Et bon sang qu'on a besoin d'argent. Ouais, 200 pertes dans ces eaux-là, peut-être. On va essayer d'en choper le plus possible. Hein. Belle bataille en tout cas. Dès que Rome n'a pas 3-4 caves, ça permet de faire des dingueries. Hein. Ouais, dès que Rome n'a pas 4 caves sur le terrain et que vous arrivez à avoir 3-4 caves, ça se passe mieux. Hein. Bon, là on va essayer d'en... Les yeux sont toujours en problème. Bah en fait on est encore en early game. Donc forcément le Romain n'a pas encore fait ses réformes. Quand il va faire ses réformes le Romain ça va peut-être plus être la même. Quand on aura de l'épéiste et tout, la réforme de Marius. Là ça va piquer. On a presque fait le tour, je crois. Dommage qu'elles apparaissent pas sur les cartes, les unités en rouge, les unités en fuite. Ouais, je laisserai partir. Hein. Tout ce que je peux capturer là, je prends. Hein. Regardez les derniers là-bas, peut-être. Oh, c'est de l'infanterie lourde en plus. 24, c'est des principes. Faut essayer de les choper. La légion est morte. On va voir. En tout cas, elle a pris cher. Il y en a encore deux. Hein. Il y en a encore deux de légions en Grèce. Hein. Ouais. Ceux-là vont se barrer. Malheureusement. Quoique. Allez sur le coin de carte. Chope-les. Allez, non. Bon, j'ai perdu 510 mecs quand même. 510, hein. En fait, c'était 3400. C'est des pertes acceptables parce que c'est relativement bien réparti sur mon armée. Je vais réussir à faire un ou deux tours de recomplètement.
avec les pierres, tu as des trucs bien pour tuer Rome. Figure-toi que j'arrive à gagner, j'arrive à battre Rome quasiment sans bataille. Le problème, c'est Carthage. Carthage me tombe dessus et bizarrement, Carthage, eux, le Carthage quand moi je jouais pire, c'est pas le Carthage que quand c'est Rome qui joue avec l'IA. Carthage m'envoie des armées entières en Italie. Ça pique. Mais jamais avec les pierres, j'arrive à faire un bon truc sans trop de difficultés. J'ai un petit gameplay sympa. Le problème, c'est Carthage. Avec, ce que je fais avec Épire, c'est que j'arrive en fait à libérer des alliés romains. Je libère des alliés romains qui fournissent énormément de troupes et que Rome s'acharne dessus et après je repasse par derrière et il y a moyen de faire des trucs un peu sales comme ça. Bah, je vais rançonner les captifs. Hein. Non, vous savez quoi, je vais les exécuter. Hop là. Bon, une légion en moins. Il y en a encore des autres derrière. Donc là, on va faire du turnover. Je vais aller prendre mes troupes de Pella. Ok, Rome n'a pas bougé à Epidamos. Je vais aller récupérer mes troupes de Pella et je vais faire le turnover. Les intérêts focus des joueurs, voilà. Je vais aller prendre je crois que j'ai quelques belles troupes à Pella. Et on va amener toutes les troupes de Pella dans mon armée là et on va virer les troupes un peu plus éclopées. Le problème, c'est que j'ai l'impression de remplir le tonneau des Danaïdes. Plus je remplis, plus j'ai les troupes qui arrivent. Donc, ouais, d'ailleurs, la garnison à Pella va commencer à être suffisante contre les pirates. Donc, Pella, c'est quand même une belle ville, hein. Alors, regardez, les pirates qui reviennent. Non, t'es sérieux? Ah ouais, j'ai cru qu'il allait attaquer Pella, ce con, là. Pour la prochaine bataille, ouais. Mais j'ai pas vraiment envie de me... Enfin, est-ce vraiment utile de mettre en mode fortification? C'est pas plus intéressant de les prendre en bataille ouverte pour pouvoir faire un bel encerclement? Parce que si je les prends en fortif, ils vont juste... Enfin, ça va être long et chiant, quoi. Je préfère les prendre en terrain ouvert, moi, les Romains. Pour faire un bel encerclement, les fixer avec mes... L'avantage d'une phalange, c'est le terrain vert. Hein. Important caractère, ok. De faire de l'exploit, ouais, mais bon, l'exploit, c'est bien beau l'exploit, mais... Bon, toi, là. Toi, tu commences à me faire chier. On va éventuellement ramener l'armée. Et on va faire un turnover. Voilà, je vais virer éventuellement celle-là. On va faire ça. Voilà. Pascal Boukake, tiens donc. Merci mec, t'es 8 mois, putain. Le pseudo de l'enfer, toujours. Bon, j'ai quand même une belle armée. Hein. J'ai une belle armée et on va retourner en campagne. Et on va friter les Romains. Hein. Et on va essayer d'aller prendre Apollonia. Là, je pense que maintenant, Pella... Non, mais va pas comme ça dans la ville. Voilà. Pella, ça tiendra. Bizarrement, pas de nouvelles de Rhodes. Est-ce que Rhodes, vous pensez, n'est pas buggé? Rhodes, regardez, cette armée ne bouge plus. Est-ce qu'il serait pas prêt à faire la paix depuis le temps? À un moment, Rhodes, tu vas bien vouloir faire la paix avec moi. Modéré, regardez! On va lui donner un petit peu d'argent. Fallait juste laisser passer un peu de temps. Regardez, hop. Allez, Rhodes a fait la paix! Ça fait plaisir. Je vais pouvoir prendre ma flotte. Et on va tenter d'aller faire une descente... Une descente en Adriatique. J'ai deux gros vaisseaux lourds. Et des vaisseaux un peu plus légers. Peut-être qu'on pourrait trouver une petite flotte. À Larissa, tu pourrais virer la caserne. C'est vrai qu'à Larissa, j'aurais besoin d'un bâtiment agricole. Hein. On va la dégager. Non, merde, c'est Pella, ça. Hop. Attends, ah oui, à Larissa, il y avait une caserne. Ah merde, j'avais pas vu. Ah, j'avais pas vu à Larissa la caserne. Ah, en effet. D'ailleurs, je voulais aussi dégager ça après pour mettre peut-être un healer à la place. Hop là. Widdies!
Merci pour ton sub, mec. Merci pour ton prime, 8 mois. Ouf. Bon. On a deux légions romaines ici. Hein. Deux légions romaines pleines. Mais ça, sabotage de l'armée. Ah, on peut les arras, ok, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah oui, d'accord, c'est l'unité en question, donc c'est bon, quoi. Et là, c'est pour assassiner le général. 2%. Pouf. C'est pas grave, on va juste faire du renseignement. Merci à toi de les regarder, Pascal Bukake. Syracuse tient toujours. Mais je ne sais pas combien de temps Syracuse va tenir. Il n'y a plus aucune armée. Ah, ça tue 50% d'une seule troupe. Ah ouais. Non, regardez. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, pitié. Défonce-le. Carthage. Non, mais ça passe. Hein, on est clair, là. C'est quand même une belle armée carthaginoise, hein. Avec les Gaulois, là, en Mercos. Il a des sacs de Ben. 4 belles, 5 belles caves. En face, c'est du Clodo. Ça se passe comment, ce début de session? C'est difficile. Regarde, hein. Regarde, hein. On en parle. On en parle de tout ça, là. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais on recomplète. On fait encore de l'argent. On fait encore de l'argent. Là, on va réussir à, dans un tour, à faire pas mal de poissons. Ce qui va permettre de relancer ici l'imposition. Normalement, hop, voilà. L'argent remonte dans les caisses. Je vais baisser d'un cran les impôts. Voilà. Comme ça. Bon, on peut même remonter encore d'un cran les impôts. Hein. On va faire de l'argent. Hein. Voilà. Parfait. L'auto-battle va le bloquer, mais c'est pas possible. Comment l'auto-battle le bloque, là? Ouais, à cause de la flotte, peut-être, derrière. Fais chier. Bon, c'est pas grave. Hein. Moi, je suis chaud comme une baraque à frites. Hein. C'est parti. Hein. Il rigole pas, le Romain. C'est affreux, le Romain. C'est affreux. Il est impitoyable. Je ne sais pas comment battre le Romain. Avec Épire, j'y arrive. Mais dès que tu lui laisses un peu de temps au Romain et que tu le prends pas à la gorge tout de suite, tour 1, bah le Romain il devient intestable en fait. À moins de faire des énormes exploits à la con, je vois pas comment tu bats le Romain. Ils veulent pas commercer. Je crois pas, non. Bah déjà parce qu'il y a Pergame et Rhodes, bah, à qui j'ai pas forcément de bonnes relations. Je voudrais bien que Rhodes commerce avec moi, mais il a pas à vouloir le saligo là. Pourquoi j'ai toujours des factions avec des malus diplômes de merde aussi? En tout cas, c'est tendu. Hein. C'est tendu. Le Romain, et d'ailleurs, on notera que le Romain a pas bougé. Hein. Le Romain a pas bougé ses légions. Hein. Rhodes, ok, Rhodes, avec qui je suis en paix maintenant, c'est bon. Menace passée. Maintenant, il me faudrait un pack de non-agression avec Rhodes. Si j'arrive à choper un pack de non-agression, je serais bien. Ah ouais, une flotte, mais c'est pas facile une flotte. Hein. Une flotte, ça coûte cher. Je peine à être présent. Alors là, en fait, j'arrive à stabiliser mes relations. Si j'arrive à négocier un pack de non-agression avec Rhodes, je serais vraiment super safe en fait. Mais il va pas vouloir le pack de non-agression. On va essayer. Hein. On va essayer. Alors il me fait chier avec des problèmes. Rhodes. Est-ce que Rhodes, tu serais pas intéressé? Regardez, Rhodes, j'ai des bonnes relations avec lui. Pourquoi? Rhodes m'adore! L'eau, il refuse. Non mais je comprends pas la diplo. Il m'adore. Pourquoi il refuse toutes mes demandes? C'est absurde. Regardez ça! On est à plus 40! Ah bah je sais pas. Je ne comprends pas comment marche la diplo dans ce jeu. Bon. Est-ce qu'on tente la descente? Est-ce qu'on y va avec notre paire de grosses couilles? Vu
Vu que j'ai de l'argent, est-ce qu'on donnerait pas à Rhodes en échange d'un pacte de non-agression pour vraiment être tranquille? Non-aggression pact, est-ce qu'on lui filerait pas des thunes? Ton mieux était ton marre. Mais si, je les exploite, mais je fais déjà un peu de trade avec certains. Non, mais donnez de l'argent, les gars, vous êtes bien gentils. Faut payer pour tout. Mais j'ai pas de thunes! Comment, explique-moi comment je fais la guerre contre Rome! Et qu'en même temps, j'envoie des 10 000 à tous mes voisins! Je ne peux pas! Bon, attendez, je vais envoyer ma flotte. On va peut-être tomber sur une flotte romaine qui traîne dans le coin. Ok. Hop là. On va rester dans le coin. Puis on va tenter la descente. Larissa, ouais. Larissa, on va installer des homestead. Quoique non, on va plutôt installer une olive press pour pouvoir vendre ça et faire du trade. Voilà. Ah, on peut mettre la flotte en pillage, c'est cool ça. Je connaissais pas cette mécanique. Patrol, raiding. 22% enfin. Oh, sympa ça. Infection, oui, bon là, les pénalités, on s'en fout. Voilà. Bon, on fait de l'argent. Écoutez. Quand je vais prendre Apollonia, je vais voir deux légions débarquer. Prendre Apollonia, c'est pas un problème. Vraiment pas un problème. Apollonia, la garnison est même pas à peine complète. Le souci, ça va être de tenir après contre la contre-attaque de deux légions romaines. D'ailleurs, est-ce que... Attendez, on va... 74. Oh, regardez, on vient de pénaliser une unité, je crois. On peut rester en défense, hein. On peut rester en défense et recompléter. Hop, on fortif. Hein. Voilà. Et on peut rester en défense et recompléter. Hein. En soi, le temps ne joue pas forcément contre moi. Eh. Oh là là, regardez! Regardez ce qui arrive! Sacré nom de Dieu! Est-ce que le temps que j'ai donné à Carthage va lui permettre de faire quelque chose? On a trois armées de Carthage en train d'arriver en Sicile! Oh là là, alors là, le Carthaginois, si tu fais quelque chose. Si le Carthaginois, tu fais quelque chose là. Je me lave plus les couilles pendant un mois. Hein. Oh là 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 là. Bon, on va serrer les fesses et on va suivre ça avec attention. Hein. Parce que là, le Romain est encerclé. Hein. Le Romain est dans la merde. Hein. S'il y a les trois, par contre, il a quand même une petite flotte de guerre, mais ça fait la gueule. C'est ça. Une future grosse win pour Rome. C'est ça le truc. Potentiellement. Y a pas des mercenaires, non, y a pas de mercenaires dans le coin malheureusement. Je vais être un peu défensif, faire de l'argent. Ici j'ai fini mon port de commerce 3. Ouais. On va attendre un petit peu. On va attendre de recompléter. On va voir comment ces légions vont se comporter. À un moment, ces légions, elles vont faire quelque chose. Et au pire, bon, avec mon champion, on va continuer à les travailler au corps. Allez, 3900 de thunes, okay, on va faire un peu des économies, là on aura plus 5 d'attaque, ok, écoutez, on va suivre ça, ce qui se passe ici, hein. Est-ce que vous pensez est-ce qu'il va réussir à débarquer? Est-ce qu'il va attaquer? Est-ce qu'il va débarquer? Ok, il se barre, il a abandonné la ville! Ok, je crois qu'une légion a rembarqué. Est-ce qu'une légion ne vient pas de rembarquer de Epidamos, là? Allez, Carthage. Je crois qu'une légion vient de rembarquer. Je vais aller attaquer Apollonia. Hein. Parce que là, si on a une légion qui a mis les voiles, je crois que la légion est en mer. Je peux aller l'attaquer avec ma flotte. Parce que là, si je peux me débarrasser d'une légion en mer, ça pourrait être sympa. Ou en tout cas, de la mettre à 50%. Ouais, je pense qu'il y a une légion à couler le tour prochain. Je pense que oui. Je pense qu'elle doit être en train de traverser là. Et là, s'il n'y a plus qu'une seule légion en Grèce, la légion, on a vu qu'une seule légion, c'est prenable. On va aller voir ce qui s'est passé en Sicile. Malheureusement, on voit pas les combats en Sicile. C'est très agaçant alors que j'ai mon espion dessus. Est-ce que Carthage voudrait pas faire du commerce avec moi? Je pense pas. En fait, je crois que j'ai pas assez de choses à commercer. C'est peut-être pour ça que les gens veulent pas commercer avec moi. C'est que j'ai pas assez de choses à commercer. J'ai pas assez de ressources. Il me faudrait les amphores d'Apollonia.
peut-être faire plus d'olives à Larissa. Ouais, on va essayer, hein. Ah, aussi peu de bateaux. Je vais essayer, toi, du matin. Tu connais ma micro-gestion. Après, j'ai quand même des beaux bateaux de guerre. Je vais essayer de l'encercler cette fois. Je vais pas rentrer en frontal. Je vais essayer de bien passer sur les côtés et de jouer avec. Ça va, allez, je me passe de tes 3 petits points. On fait ce qu'on peut. Ok. Si on peut déjà couler quelques unités, ça serait bien. Eh, regardez! Carthage a pris Akragas! La reconquête de la Sicile! Par Carthage! Mais oui, il n'y a pas de légion romaine! Toutes les légions, elles sont en Grèce! Bon, attendez, là, il y a un coup à jouer. Où est la légion? Il y a une légion. Je sais qu'il y a une légion. Il y avait une légion, hein? Oh putain, elle est où? Oh, je la trouve pas. C'est terrible. Ah, elle a pas déjà traversé quand même. Je l'ai pas trouvé. Ok, je l'ai pas trouvé. Bah, c'est pas grave, vous savez quoi? Qu'importe. Let's go. On va aller provoquer. Oh, elle est là! Ok. Ok. Elle a pas embarqué. Elle a pas embarqué. Elle a pas embarqué, hein. Coucou. Tu veux voir ma bite? Oh mon, non, mais mon champion qui s'est fait blesser. Bon bah écoutez, si on peut avoir une bataille tour d'après, moi je dis pourquoi pas. Tant mieux. Qu'ils viennent, le Romain. Toutes les légions que je pète là, ça va mettre la pression sur Carthage. Ça va mettre la pression sur le Romain en Sicile. Si Panormos peut tomber au tour d'après, Panormos qui a aucune garnison, on a deux énormes armées carthaginoise qui arrive, donc là il a pris Akragas sans même l'intervention de son armée, hein. C'est beau, hein. Putain, si Carthage se réveille, que ça va être beau. Je vais continuer à économiser, mettre de l'argent de côté. Est-ce qu'on casserait pas ici mon Pyrrhurion là? Je voudrais bien à la place peut-être mettre un healer. Allez hop. C'est une bonne session, je sais pas si c'est une bonne session. Bon déjà, on a battu une légion, comme je dis. C'est la troisième légion romaine qu'on casse. Il peut pas être... Enfin, voilà. Ce sont quand même des chiffres, hein. Pas dégueulasses. Et bah là, j'espère qu'il va m'attaquer. Il peut m'attaquer avec une seule légion. Donc on va essayer de casser l'autre légion. C'est parti. Je pense qu'il va m'attaquer, hein. On a vu que tout à l'heure, il a été donné largement vainqueur. C'est une mauvaise surprise, j'espérais qu'elle soit en mer. Oh là là, il y a une légion qui vient d'arriver en renfort. Oh là, non mais les Romains. Et bam, il reprend Akragas, le Romain. Mais c'est pas possible d'être aussi OP. Voilà, il m'attaque. Allez, on y retourne. Oh, il y a trois cavaleries cette fois. Ça va être plus difficile, hein. Là, il y a de la cave romaine. Il y a de la cave romaine. Là, ça va être plus dur. Ça va être plus dur. À la gueule de la bonne session, hein. Le Romain, il te mange les Carthaginois avec une facilité, c'est terrifiant. Bon, là, je suis pas bien bien. Bon, le problème, c'est la cavalerie romaine. Il va avoir son général et deux autres caves. Salut Flitry. On va faire la même tactique, hein, que tout à l'heure. Hein. La tactique de tout à l'heure était bonne. Une longue ligne fixe. Le problème, c'est que là, on va avoir de la cavalerie adverse. Donc on va devoir protéger les flancs contre la cave.
J'ai la chance d'avoir pas mal de piquets. Des petits piquets. Là, ah bah là, j'ai mes phalangistes, parfait. Voilà. Mes épéistes en deuxième ligne. Dès que ça sera fixé, les épéistes vont rentrer en action. Et j'ai des très très bons épéistes. Enfin, très très bons. Ils sont pas dégueux, on va dire. Et ma cave, je vais la garder en réserve en attendant d'essayer d'accrocher sa cave. Généralement, j'ai remarqué que les caves de l'IA sont très agressives en début de game et ont tendance à attaquer la ligne assez rapidement. Je dépelle Tast, la médaillère générale en soutien. Voilà. Voilà. Une belle météo de merde en plus, hein, tout ce qu'on aime. Oulala, attends, mais... Ok, ça c'est sa cave. Voilà, ça c'est sa cave. Donc là, on va essayer de... On va être patient avec ma cave. Je vais pas être aussi agressif que tout à l'heure. Ah ouais, les arbres qui disparaissent. Merci du type, ça. Ok, ça arrive vite. Phalanx et Viphalanx, ouais. Du Triari. Our hidden units have been discovered. Ouais, il y a beaucoup de monde ici, hein. Mais il y a ces trois caves qui sont là. Toutes ces caves sont sur le flanc. Ce connard, oh là là, c'est parti. Ok, je savais que sa cavalerie allait faire des dingueries de ce genre. Cave a déjà pris des pertes, c'est parfait. Là, sa deuxième cave, il nous la donne aussi. Ok, parfait. C'est en train d'arriver. On va déployer les épéistes. Ah merde, j'ai pas vu ici la mauvaise micro de Pépé. L'âne batté. Ok, ça panique déjà. On va l'attaquer. On va déployer les épéistes. Et là, on va venir les encercler. Oh, les mecs, ils sont cons, mais c'est pas possible d'être aussi stupide. Là, ça panique déjà, on va mettre un coup de soin général. Allez, on va commencer à encercler, on va aller choper. Regardez tous les tireurs là-bas. Regardez tous les tireurs. Ça, c'est open bar. Le général qui m'a vu. Le général, il a déjà pris des pertes. Vous savez quoi? Le général, je vais le charger. Le général, je vais le charger. Pleine balle. Oh non, ma cavalerie qui fait pas ce que je lui demande! Pourquoi il y en a un qui a chargé et pas l'autre? 76. Allez, mais dépêche-toi! Allez, on va se faire le général. Et on va commencer à encercler. T'inquiète, c'est bon. Le général romain en priorité.
Allez, c'est bon. Allez, on chope tout ça. On va venir dans le dos. Allez, on charge. Allez, là, on vient encercler tout ça. Là, ça tient pour le moment. Là, on s'est débarrassé des tireurs. On va essayer de tenir la balle. Hop. Allez, on attaque. Ça, ça va craquer. Hein. C'est qu'une question de temps. On fait le ménage derrière au passage. On se permet de faire le ménage. Au niveau des pertes, on est pas mal. Voilà, ça panique, ça panique, ça panique. Ils sont encerclés, ça fait la gueule. On va mettre... Oh là là, regardez-moi ça. Alors ça, toi, t'es pas un lancier à la con. Allez, ça panique. On est en train de les encercler à mesure. Allez, allez, ça prend des pertes. Ah, la pluie fatigue plus vite les... Ah putain, il résiste ici. Bah, Cavell boss, hein. Allez, regardez-moi tout ça qui panique. Toute la racaille qui panique. Allez, on va continuer l'encerclement. Ah, ici. Allez. Ça panique. Voilà, les phalangistes qui bossent. Ça, c'est de l'infanterie lourde. Ah non, c'est des light spears. Allez, on charge dans le dos. Là, bah, on s'est fait l'infanterie. Là, ça panique. Allez, on y est presque. On a pris des pertes, mais ça reste plus qu'acceptable. On va tenter une petite charge. Je suis là, c'est parfait. Voilà, allez. Un petit... Est-ce que j'ai pas un petit Warcry de précis? Un coup de soin-soin. Un coup de Warcry. Allez, une petite charge sur le flanc. Allez, c'est du Triarmi qui fuit. C'est cadeau. Voilà, les Triarmi en panique. Ici, ils sont encerclés. Là, on va refaire une charge en dos. Ma petite cavalerie, heureusement qu'elle est là. C'est du mercenaire, mais... Allez, ça fait tout paniquer. Ça y est, toute la ligne craque. Toute la ligne craque, toute la ligne romaine craque, c'est bon. Wouh. Allez, on va capturer tous les prisonniers, le maximum. Et on va se régaler, hein. Encore une belle victoire. On la prend. Hein. On la prend, la petite victoire. Regardez tout ce qui fuit. Regardez tout ce qui fuit. C'est le sort qui peut, général. Oh là, ici, ils n'arrivent pas à se barrer. Oh là 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 là. Regardez les Triari. Ça, c'est des belles unités, les Triari, en plus. Hein. Des Triari qui sont sacrifiés comme ça, là, en fuite. Ça fait plaisir. Hein. Bon, y a Karom que je deviens un PGM. Hein. Bon, ça fait quand même encore deux légions qu'on mange. Hein. On commence à avoir une routine de travail rodée. Hein. Ça commence à payer les branlées qu'on se prend depuis des mois et des mois. Bon, allez, on va pouvoir accélérer un peu la vitesse. Hein. On va continuer à faire du prisonnier. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi toute cette racaille. Et c'est de la bonne troupe, tout ça. Hein.
Parfait. Mais on va voir, hein. Parce que ça, c'est la quatrième qu'on mange en deux sessions. Possiblement, après, on va aller prendre Apollonia. Une cinquième va me tomber dessus. Mais pour l'instant, ça tient. Au niveau perte, je prends des pertes quand même. Hein. Là, mon général, cette bataille a pris quand même un sacré tarif. Hein. Ben pour l'instant, non seulement il tient le front sicilien, mais il a repris la ville qu'il avait perdue. Bon, il y a deux pleins stacks carthaginois qui arrivent. On va voir si ça va peut-être aider, mais il va pas, il va pas pouvoir tenir tout à la fois. Il peut pas. Ça reste acceptable. Ouais, mais j'ai... Ça reste acceptable, mais il y en a encore une autre derrière, quoi. Bon, je crois que c'est bon. J'ai quasiment fait le ménage. On est plus à quelques troupes prêtes. Kill battle. Let's go. Bon, pas mal. 500, ouais. Je prends 500 en moyenne face à une légion. Je prends 500 pertes. Entre 500 et 600 pertes. C'est bien comme résultat. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Sachant que j'ai des troupes en repos à Pella. Donc en fait, je peux faire du turnover avec des troupes d'heure complètement fraîches et continuer à essayer de limiter la casse. J'ai même un général à Pella potentiellement. Donc ouais, le fait que je puisse faire un peu de turnover, c'est bien. Ouais, la flotte romaine, j'hésite limite à rentrer pour me payer des nouveaux navires de guerre. Pour me faire des vaisseaux encore plus lourds et continuer à augmenter la taille de ma flotte. Le fait que je sois en paix en mer Égée, que j'ai plus Rod dans mon dos, ça m'ouvre des... Et surtout là, le fait que je me débrouille pas trop mal contre les légions romaines maintenant. On voit un peu les faiblesses et tout, et dès qu'on arrive à les fixer sur une ligne de phalangiste, on arrive un peu à les rôder sur les côtés et tout ça. Allez hop. Allez, on les bute, hein. On les bute, hein. Fini, hein. Hop là. Voilà. Alors Rome, tu m'envoies ton autre légion? Ah, c'est vrai que mon champion est malheureusement... Prends Apollonia pour améliorer ta flotte. Putain, c'est vrai qu'Apollonia en port militaire, ça serait le top, hein. Apollonia en port militaire, hein. Le problème d'Apollonia, ouais, si. Je pense que la légion romaine suivante ne me fait pas trop peur. Ces batailles de malade, quoi. Le Pirée niveau 2, je crois. Ou niveau 3, le Pirée. Parce que j'arrive déjà à faire les... Tu as déjà Athènes et les petites villes ne peuvent pas avoir de port militaire juste des quais. Ah merde. C'est vrai que Athènes est mon port militaire, hein, le Pirée. Hein. Et regardez, Rod, l'accord de commerce avec Rod. On prend. Allez. Ça, c'est bon, ça. Le truc, Rome, alors, au niveau historique, Rome a quand même une tendance à se battre malgré des pertes de légions. Hein. La deuxième guerre punique, ils ont perdu plus que 4 légions. Hein. Ça, c'est historique, hein, que les Romains lâchent pas l'affaire. Même après deux armées consulaires perdues, les Romains, ils lâchent pas. Hein. c'est pas dans la mentalité de Romain, des Romains de lâcher ça. Donc ça, c'est ça pour le coup, c'est histoire. Les Romains, une perte d'armée, ça les met juste plus en colère. Est-ce qu'on a gagné? Non, vous l'avez juste mis en colère. c'est ça. C'est le Kraken, hein, Romain. Hop là. Recherche complète. Parfait. Alors, on va continuer à... Traders... Ah, j'avoue que avoir les T3 ou que 3, on va prendre, hein, on va le faire. Bon. On va aller, vous savez quoi, je vais utiliser ma flotte pour faire de la reconnaissance. Et on va voir ce que va faire la Légion. Est-ce qu'elle est toujours là? Ouais, la Légion est toujours là. En un tour, elle peut aller à Apollonia, je pense, même pas sûr. Vous savez quoi? On va tenter la descente sur Apollonia. Mais d'abord, on va aller voir ce qui se passe. Oh là là, mais que fait Carthage? Que fait Carthage? Mais débarque! Espèce de tachon! Oh, les armées carthaginoises qui débarquent plus, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils glandent?
Rome avait la chance d'avoir une démographie assez incroyable, de beaucoup de petits propriétaires terriens et tout. Basileus, ok. Foreign Territory, ça on va le prendre. Allez, voilà. J'hésite, hein. J'hésite parce que je voudrais peut-être bien... Regardez, non, je vais pas y aller tout de suite. Je vais faire un tour de... un tour logistique. Voilà, on va replier les unités qui ont pris peut-être un peu cher pendant la bataille. Ça inclut... Ah non, bah attendez, non, il y a mieux. Regardez ce qu'on va faire. J'ai un général plus frais. On va prendre toutes les unités dans un bon état. Voilà. Bah alors, tu me fais quoi, là? Oh, je peux pas le... Non, mais c'est une blague. Je peux faire ça que une fois par tour. Le changement d'unité, mais c'est stupide, ça, putain. Bon, c'est pas grave. On le finira au tour d'après, ça me fait chier, mais tant pis. Ok. En tout cas, on fait de l'argent. On a la Légion Romaine en visu. Est-ce que je pourrais pas recruter un autre espion? Non, je peux pas. Ah si, attendez, non, je peux pas malheureusement, dommage. Ça aurait été très pratique, hein. Ah, j'ai trouvé avec 0 points de déplacement, putain. C'est pas grave. Les thunes, ça va bien, tellement bien qu'on va baisser un peu les impôts pour... Non, pas trop les impôts quand même, il faut de l'argent en caisse. Voilà. Et Rome, est-ce qu'il n'est pas en guerre contre d'autres personnes maintenant? Rome a un nouvel ennemi, les Dardanoï. Donc Rome est allé attaquer sûrement les mecs au nord là-haut. Donc c'est peut-être pour ça que la Légion romaine ne bouge pas. C'est que Rome a déclaré la guerre à ce mec-là. Intéressant ça. Ok, tour suivant. Intéressant ce run, hein. Pas facile, hein. Rome est vraiment dur à battre, hein. Attendez, c'est la Légion qui vient d'embarquer, là. Il a combien de bateaux? Attendez, je vais me replier. Je vais me replier, voir s'il veut pas me poursuivre. Mais qu'est-ce qu'il fout? Écoutez, ça, par contre, c'est faisable. Ça, c'est très faisable! Si on peut couler toute cette racaille, un amiral et des unités, moi, je prends à la bataille. En plus, ils vont arriver un peu séparément. On va essayer de les croquer, c'est cadeau. La Légion, elle est sur mer. On va faire la descente sur Apollonia. Les amiraux sont gros, ouais, mais j'ai aussi des beaux navires de guerre, moi. Du ramming. Alors en fait, quand j'arrive à l'utiliser, hein. Parce que bon, j'ai aussi quand même une... J'ai aussi... Alors là, j'ai 4 petits vaisseaux, hein, et j'ai 3 vaisseaux plus lourds. On va essayer d'encercler, hop, le groupe. Il va arriver en ordre de bataille séparé. Il faut que je me dépêche de couler d'abord eux. Faut que je fasse attention à mon bateau de transport, à mon bateau de soutien logistique. Ok, vas-y, reste bien de flanc comme ça. Gamin. D'accord, j'étais... Oh là, j'avais pas vu lui là. Qui est juste là. Oh putain, lui va me... Il me fait un peu peur là. Oh putain, t'es sérieux, l'autre, il m'est arrivé sur le flanc direct comme ça. Ça vient de l'ouest, ouais, j'ai vu. Oh, il est rapide en plus. Non, attends, là, toi, on va pas te louper. Sauce, mon général.
pêcheurs. Allez, on en a eu un. Ça, on va se préparer à faire un petit demi-tour. Allez, boum de flanc. Bam, on l'a eu. Oulala, oulala, oulala. Non, 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 non. Oh putain, c'est moi qui me fais prôner comme une merde. Il chasse mon général. Oh non, mais toi, accélère. Allez, va taper le gros là-bas. Attends. Toi là, on va pas te laisser tranquille. Attends, on va essayer de le ralentir. Oh là, il veut pas me lâcher. Lâche-moi! Allez! Allez, pleine balle! Oh mon général, il veut pas lâcher mon général! Oh non, 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 non! Ma vie, là. Oh, et là, c'est moi qui vais me faire. Oh là 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 là. Il y a des fois, je vous jure. Putain, et l'autre, il veut pas me lâcher, hein. Bordel, les batailles navales. Allez, boum! Un petit coup dans les fesses. Ça se transforme en espèce de mêlée absurde. Oh là là, des bateaux à moi qui coulent, je sais pas. Oh, mais regardez-le là, l'autre là. Allez, mais. Oh, il y a l'autre qui me. Allez, boum, un de moins. Ah ouais. Ok. Bâtard. Oh merde, mon général est mort. Enfin, je crois que c'est le mien qui est mort. Oh non, je suis pris d'attaque. Chop. Bon, je vais perdre ma flotte, malheureusement. Oh non, mais j'ai... Malheureusement, c'est tellement absurde, les batailles navales, que je sais pas trop quoi faire. Obéis, la tourne! Ah bah non. C'était le leurre qui était tombé, en fait. Ah, attendez, là, on va essayer de mettre un coup dans le gros vaisseau romain. Pleine balle, pleine balle.
Allez, boum. On l'a eu. Allez, ça me libère mon bateau. On va peut-être la gagner cette bataille, hein. Allez, attaque! Il est dans l'épave, putain, il est dans l'épave, ce con là! Allez, boum! Allez! Allez! On la prend cette petite win! Mes vaisseaux lourds sont intacts! À peu près! Bon, malheureusement, j'arriverai pas à couler ce qui reste. Tiens, toi là, reste là! Coucou! Coucou! Boum! Je crois pas que je l'ai eu. Si, je crois que je l'ai eu. Pas mal. C'est pas brillant avec mes skills. Mais c'est, on se débarrasse de plein de petites unités et compagnie. Voilà. C'est du 1 pour 2. On va pouvoir se replier. On va refaire le plat au Pirée. On va relever des meilleures troupes de guerre. Ouais, on a sauvé les 3 gros bateaux. Le problème, c'est que j'ai perdu l'amiral, malheureusement. Je crois que mon amiral est mort. Il y a de bonnes techs. Ah, intéressant, je sais pas. Ah ouais, bataille navale, j'en avais jamais fait avant. Donc forcément, je découvre un peu le merdier, là. J'avoue que c'est pas facile, hein. Mais c'est fun, hein. C'est fun, hein. Quand je dis, on nettoie de la troupe romaine. On nettoie du romain, on nettoie de la garnison. La légion est en mer. On va voir ce qu'elle va faire, la légion en mer. Mort noble, et ouais. Et ouais. C'est pas grave, regardez-moi les bateaux romains qui coulent. Voilà, boum. Pas mal. Allez, on exécute tout ça. Hein. Racing Man, coucou. Hein. Et le romain qui est en mer, la légion romaine en mer, ça fait mes affaires, ça. Je vais mettre les voiles. Enfin, si seulement Carthage pouvait jouer aussi, ça. Carthage pouvait débarquer à Syracuse. Ouais, il faut un peu d'expérience. Ouais, ouais, on verra. Déjà là, j'en chie un peu quand même, hein. Pour en tout cas, les gens directs. Je pense pas que j'ai des Mercos. Tout à l'heure, j'avais voulu recruter, il y avait rien, étoile du matin. Mais j'étais pas sur la même province. Donc on va voir. Parce que là, si je peux contre-attaquer et taper du bateau de débarquement, on y va. Hein. Alors, figure-toi que l'Égyptien, je crois, de base, est toujours là. Je crois que ça appartient à l'Égyptien, ça, en début de jeu, non? Parce que là j'ai de l'argent, en fait. Donc, si je peux couler la Légion en mer, le but, c'est de soulager mes troupes terrestres. Le temps que je prenne Apollonia. On va finir de faire le transvasement de troupes fraîches. Et on va filer, on va attaquer Apollonia. Et d'abord, si on peut tabasser un peu la phalange, ça serait bien. Putain, ce run. En tout cas, pour ceux qui... Ok, écoute, moi, je te le donne, l'axe militaire. Hein. Ceux qui veulent du challenge, vous pouvez y aller. Hein. C'est fun. Hein. C'est fun. Hein. Je rage parce que bah, je rage, quoi. Mais c'est très très fun. Ça y est, oh là, ouais. Ah, malheureusement, j'ai pas de Mercos. J'ai pas de Mercos en mer. Je pense pas que... Ah non, il y a des mercenaires, mais j'ai pas envie de me battre avec ces merdes là. Non. Tant pis. Vous savez quoi? Tant pis. Je voudrais bien préserver mes vaisseaux. Pas reperdre mon amiral. Je vais rentrer me recompléter au Pirée. C'est jouable. Non, pas pour moi.
J'ai en soi une bonne armée, je suis en train de recompléter les pertes. Je vais finir de... Hop, 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 hop. Ah merde, j'ai trop d'unités maintenant, intéressant. Qu'est-ce qu'on va prendre pour recompléter l'armée? Toi, tu dégages. Toi, on te prend. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Voilà. Parfait. On va... Ben voilà, mettez-moi cette armée. On va aller attaquer Apollonia. On va aller attaquer Apollonia. Ici, on va les recompléter. Voilà. Le fait que j'arrive à faire un peu de turnover comme ça, ça me permet d'avoir toujours des troupes fraîches à proximité. Et là, je récupère un très très bon général. Et on va aller attaquer Apollonia. En Sicile, comment ça se passe? Dis-moi. Putain, mais qu'est-ce qui glande, le Carthaginois? Qu'est-ce qui glande? Et l'autre, on a déjà une armée romaine ici, en train d'être complétée. Syracuse, il y a une bonne garnison. Bon, ouais, Syracuse a déjà été recomplétée. C'est inquiétant, ça. Hein. Qui glande rien, le Carthaginois? Alors qu'il avait deux énormes stacks, pourquoi il débarque pas? Bon, écoutez, je vais me prendre une bière fraîche et on va aller prendre Apollonia. Tienne, hein, Berthe. Hein. Berthe au grand sgeg, putain, j'avais oublié le nom de... La suite de la fin du pseudo. Allez, let's go. On y va, direction Apollonia. La grande descente. Il y a une sacrée garnison d'Italian Swordsman. Mais on va les faire sortir de la ville. Qualitativement, je suis devant. Le but, c'est de prendre le minimum de pertes parce qu'on a sûrement la Légion qui va se pointer derrière. Let's go. Là, c'est pas de la troupe romaine, c'est de la petite garnison. On va essayer de limiter les pertes à 200. 200 peut-être. 200, ça serait bien. J'ai un général frais. Généralement, il me semble que les IA sont assez agressives en garnison. On va le faire sortir de la ville et puis on va le fixer, on va faire des pertes. J'ai des bons épéistes. Voilà, on va faire simple et efficace. Hein. Une énorme ligne. Voilà, hop. Et on va essayer d'attaquer un peu sur tous les flancs. Des petits groupes de deux. Ici. Une autre phalange. Faire plusieurs groupes d'assaut de la ville. Si mon général avec deux groupes. Là. La 3. Et la 2. À chacun, on va leur attribuer des épéistes. Épéistes tireurs. Peltast. Voilà. Et on va avancer tranquille comme ça. Le moins de pertes possible. Voilà. Ma cave. Je suis sûr que je vais trouver des cibles juteuses à aller chercher avec ma cave tout de suite. Et mes unités. Bah, j'ai des unités de réserve. Voilà. Allez, c'est parti. Il y a du monde. Hein. Il y a du monde! Quick march! Ready for
on va rester sur la défensive. Il a pas l'air décidé à venir m'attaquer, bah écoute, je vais aller le chercher moi. Par la peau des couillasses, hein. Le général il est là-bas. C'est des quoi? C'est du heavy command qui est déjà pas mal mal en point. On va essayer d'aller le chercher. Quoi qu'attends là, c'est du léger, c'est du spear, mais c'est du léger. On va tenter des petites charges dans les spearman légers. Allez. C'est du léger face à ma carte de choc. On va essayer de les commencer à leur faire mal. Voilà, ça tombe bien. Allez, on se replie. Voilà, pas trop de pertes aussi, j'ai pas de pertes. Merde, en général, j'ai ça mis en... Bah, en général, il est pas assez... Allez, let's go. Les musiques de Rome Universalis, bien vu! Non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Il y a qui arrive pas à traverser les unités. Ils sont totalement en panique. Oh, je déteste les pathfinding. Ok, là ça panique déjà ici. Voilà, ici. Hop. Allez, on va faire une petite charge dans le flanc. Allez, faites-moi paniquer tout ça. Ici on va venir flanquer. Allez, on les sauce. Allez, on va les choper. Les tireurs. On va aider les copains. On va aller choper le général. Ici on va bien battre la... Oh attends, il nous fait quoi son bateau pourri lui là. Allez, on encercle tout ça. Il y avait tant de troupes, la garnison était pleine. Il a eu le temps d'avoir une garnison pleine à Apollonia, ce qui est extrêmement chiant. Mais c'est pas de la bonne... La garnison, c'est de la merde. Ça n'a rien à voir avec Medieval 2, où il y a des vraies garnisons de troupes, vraiment, de bonnes troupes. Allez, découpe-moi tout ça. Et c'est bien chargé. Putain, ici, il résiste bien. Petite charge de cave. Putain, c'était un peu mouvement. Putain, ça panique, ça commence. Oh, mais c'est pas vrai! Oups! On va se replier ici. Ah, oh, on va aller attaquer le général. Ok, ça panique enfin.
Ici aussi. J'aurais pris des pertes quand même. Hein. J'aurais pris des pertes. Ma cavalerie qui panique à 60. Oh putain, mais comment une garnison se bat aussi bien? Ça, ils se battent mieux que les légions, les mecs. Ils se battent mieux que les légions. J'arrive à tuer son général. Ok, là ça panique. Putain, j'aurais pris des pertes à Apollonia. Je pensais qu'il allait s'effondrer beaucoup plus vite que ça. Le mec est encerclé avec... Putain, même les Romains. Ah ouais, c'est vrai que c'est de l'infanterie lourde et tout qu'il a en def. On y pense. Même là, il est cheaté. Réussi à tuer son général. Ok, il y a tout qui panique là. On va y arriver. Allez, on les encercle. On passe à Jean les sauces. Là, ça panique aussi. Putain, il m'aura fait mal! Qu'est-ce qu'il m'aura fait mal avec ses armées de clodo là? Bon, ici, on l'a même pas battu encore ici. Ok, là ça panique. On va arriver sur ses arrières. Parfait, il y a tout qui fuit là, on y est presque. Elle est importante cette bataille. Récupérer Apollonia après autant de temps. Après, quand il y aura une, si j'affronte une légion, ce sera moi en défense. Parfait, on y est presque. Hein. Qui panique. Allez. Putain, je suis surpris à quel point ils résistent bien. Je suis surpris à quel point les unités romaines résistent bien. Putain, d'habitude les garnisons ça flanche assez rapidement et là les mecs sont encerclés. Et regardez ça, ça se bat bien quoi. Regardez ça, encerclé complètement. Comment il tient? C'est de la Light Spears quoi. Bon, après il a pas pris tant que ça de perte non plus 171. Ok, tout qui panique. On est en train de prendre la ville, c'est bon. Voilà. Allez, on y est presque. C'est bon. Ouais, pas facile hein. Pas facile, j'ai pris 525 pertes. J'ai pris l'équivalent d'une bataille normale face à une légion. Ça fait bobo. Ça fait bobo. J'espérais être à 200, 300 max. Après, ça reste des pertes acceptables parce que je récupère une belle ville quand même. Hein. Apollonia est une ville importante qui va me servir de base et tout ça. Hein. Je vais essayer d'en faire une base militaire à Apollonia. Je vais même, je pense, enlever la caserne de Pella et la mettre à Apollonia pour faire d'Apollonia ma base logistique dans le coin. Et je vais pouvoir poser un édit, absolument. Y a-t-il un port? Bah, en soi, j'ai déjà le port du Pirée, mais le Pirée est un peu loin à mon goût.
Je vais juste occuper la ville. Je vais pas la piller. Je ne vais pas la piller. Alors ouais, il y avait en effet un port shipwright, mais ça m'intéresse pas. J'ai déjà un port de... J'ai déjà un port de guerre, le truc, hein. C'est que j'ai pas besoin de... On va faire un port de pêche, hein. Port de pêche. Pour continuer à développer mes villes, parce que je suis ric-rac. La nourriture en... La nourriture est pas facile en Grèce. Par contre, on va... Les amphores... Bah, j'ai pas assez d'argent, donc il faut que je le casse. Allez, là, une caserne. Et là, on casse. Voilà. Et on va pouvoir faire péter un édit, il me semble. Ah non, je peux pas. Je crois que j'ai pas le... J'ai pas la... Bon, on pourrait peut-être enlever l'édit ici, de l'importer de la bouffe. Je pense que je peux arrêter d'importer de la bouffe. Je crois que je peux arrêter d'importer de la bouffe. Pour peut-être... moins 2 de bouffe. Combien j'importe de bouffe? 3 de bouffe. Ça me mettrait à 6. 5. 4. Ah ouais, là, le moins 30 fait mal. Bon, là, il est en train de crever d'attrition, donc il est bientôt mort. Et sa légion est là. Sa légion est là. On va avoir un petit tour de recomplètement. On va récupérer quelques petits précieux soldats. Oh là 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 là. Et c'est ça. C'est la garnison. Ah, intéressant. Ouais, provide garnison. Elle est légère, la garnison, quoi. 3 bateaux, c'est de la merde, hein. Je préfère avoir un port, moi, et 5 de nourriture, hein. Avec 5 de nourriture, je mets des édits, et t'inquiète pas que j'aurai une flotte de guerre, hein. Désolé, hein, mais je pars sur le port. J'aurai une flotte de guerre, hein, tout simplement. Et on va continuer à... attends, là, je fais ça sans regarder, mais il me semble que ça coûte quand même... Ouais, moi, 4 de bouffe, hein. Je vais y aller mollo sur la bouffe, hein. Je vais y aller un peu mollo sur la bouffe. Mais c'est pas mal pour le moment. Oh là là, et Carthage qui en glande pas une, c'est terrifiant. Hein. C'est terrifiant. Hein. Et là, j'ai peur de cette légion. Hein. Ils sont 20. Je suis en train de recompléter mes troupes à Pella, mais ça va pas assez vite. On va devoir défendre en ville si on s'ils m'attaquent. Ok. Pas mal, je pense. Est-ce que j'annulerai pas l'édit? Attendez. Edit cancel. Et là, je vais pouvoir faire péter mon édit avec le l'ordre public, entre autres. Voilà, plus 1, plus 1, plus 5, croissance partout. C'est parti. Je vais laisser l'armée en ville. Et c'est quoi mes techs dans 2 tours? Ouais, j'aurai accès aux fermes 3. Bon bah c'est parti, hein. C'est parti. Je vais peut-être baisser les impôts parce que je fais pas mal d'argent. Voilà. Que va faire la Légion? Est-ce qu'on commence direct par une bataille? Putain, s'il débarque direct à Apollonia. Oh là là, il arrive! Bon bah c'est parti. Il y a de la cave. Beaucoup de principes, il y a du triari, du principes, du astati, des frondeurs. C'est pas en soi une grosse armée d'élite, mais je suis moins nombreux. Et j'ai accès à une toute petite garnison. Bah c'est parti. Hein. Elle est importante, hein, c'est la dernière légion en Grèce. Il y en avait 3. Si je lui mange cette légion, ça me met bien. Je pourrais souffler un petit peu. Je vais l'amener en ville, on va défendre dans les couloirs, on va l'asperger, on va essayer de le flanquer. Je vais essayer de me débarrasser de sa cavalerie très tôt pour avoir ma cavalerie, pour aller choper ses tireurs. Et on va essayer de jouer sur les compartiments de la ville et la défensive. Allez, on sait au moins par où la légion va arriver. Et on va essayer de verrouiller avec mes meilleures unités... Il y en a 3 autres qui pop. Merci, Captain Obvious. Je suis pas assez pessimiste comme toi. Opav, j'ai besoin. Tu as besoin de venir cancériser mes efforts. Quel plaisir. Attends, ici ça passe. Ah, ça passe, t'es sérieux.
Ça passe, on va mettre une petite troupe. Voilà. Toutes les unités secondaires. Ça, c'est mes unités de réserve. C'est mes clodos. Bon, c'est pas brillant. Voilà. Eux, techniquement, n'ont aucune valeur combative, à proprement parler. Voilà. Pareil pour la cave. Ça vaut pas grand-chose. Oh putain, c'est vraiment merdique pour défendre. Hein. Il y a ce gigantesque couloir de merde, là. Est-ce qu'on défend juste comme ça, sur une grosse ligne? Une ligne bien agressive. Comme ça. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'oublie toujours que j'ai les fameuses barricades. Hop là. Alors c'est quoi ces fameuses barricades, les déployables? C'est où ces merdes déjà? Ah oui, c'est là, hop. Les barricades. J'ai jamais utilisé ces trucs là, donc forcément... je sais jamais à quoi ça sert. Stakes, la cavalerie, il a un peu de cave. J'ai envie de défendre quand même. J'ai pas envie de défendre en ligne. Mais pourquoi ça se pose pas ces merdes là? Oh, voilà. Regardez, là ça serait bien... Hein. J'ai pas envie de défendre sur toute la ligne comme ça. On va essayer de défendre un peu comme ça. Toi, vous dégagez tous, voilà. 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 Et en soi, c'est pas mal. On garde une unité de réserve pour le déplacement. On va mettre une masse de tireurs juste pour arroser. Voilà. Ok. J'ai tous des petits tireurs de l'IA. On va les mettre là pour arroser aussi. Ici, dans le doute, unité. Bah, je suis pas habitué à faire ce genre de défense. Ça, c'est ma cave. On va les laisser en réserve. Elles auront leur heure viendra. Ici, on va mettre deux unités en réserve au cas où. Voilà. Et selon, on va voir où l'IA attaque. Et on va déployer des troupes en fonction de ça. Parce que là, j'ai plein de petites unités. Bon, c'est de la merde, quoi. Ouais, Opav, moi, je connais pas assez le jeu pour faire ce genre d'exploit un peu dégueulasse. Ah, j'ai accès qu'à une seule... qu'à une seule rangée de piques, hein. Comment est-ce qu'on fait pour les mettre... Ah voilà, comme ça. Comme ça, hop. Spike Trap. Voilà. Voilà. Et voilà les fameuses barricades. Comme ça. Comme ça, là, hop. Voilà. Hop. Bon, c'est pas mal. Let's go. Bon, bah là, le but, c'est de gagner encore avec le minimum de pertes, parce qu'on sait pas s'il n'y a pas une autre légion romaine qui va traverser l'Adriatique prochainement. Et je suis quand même en infériorité, là. Voilà. Là, j'ai... Voilà. Mon phalangiste. 50 cm. Écoute. En soi, je peux avancer les troupes. Bien. Ça compense. Regarde, voilà. Ça revient au même, presque. Alors, ça arrive déjà par là-bas. Forcément, l'endroit où je voulais pas qu'il arrive.
Yes, commander. Keltas, ready and waiting. As you command. Commander. Ok, ça arrive ici aussi. Ça, c'est sa cave. Allez, on. Ça prend la sauce, voilà. Par contre, attention là-bas. Allez, vas-y, viens, viens me chercher. J'ai une bonne troupe là en défense. Ouais, ouais, c'est bon, t'inquiète. Je vais pouvoir faire sortir ma cave. Ok, on est engagé ici. Excellent. On est en train de croquer de la... Ça, c'est de la bonne cave. Hein. Si on peut lui choper toutes ces caves lourdes, là. Son général, il est juste là. Pas protégé, mais je peux pas aller le chercher, malheureusement. Ok, là, il y a de la light infantry. Oh, ça panique, ça y est. Allez, unité de cave en moins. On va essayer d'aller choper... on va essayer d'aller choper ces tireurs, ils sont isolés. Ouais, ouais, je sais, je sais. Ok, le général qui est là... Le général qui commence à prendre des pertes. Moi aussi je prends cher. Allez vas-y, continue de faire le forcing. Force aussi, tape aussi fort que tes bêtes. Par contre il y a beaucoup de troupes qui arrivent par là. Je vais devoir changer mon dispositif de place. Ça va passer. Non, ça va pas passer. Oh là là, je prends la sauce. Oh, je prends la sauce. C'est pas grave, c'est une petite charge. On la prend. Allez, on se barre, on se barre. Oh merde, c'est de la cavalerie ça. Oh, c'est de la cavalerie. Oh merde, c'est de la cavalerie ennemie. Si on pouvait tuer le général ici, sur un petit coup de chat. Malheureusement, il m'a un peu boudé ici. L'attaque principale vient pas de là. Okay, ici, ma phalange elle tient, elle fait le boulot, on les croque. Le général ça tombe aussi, les renforts arrivent. On va déployer une phalange là, on va bloquer l'accès. Ici, ça arrive aussi. On est prêt à les recevoir. Et on va commencer à passer à la contre-attaque. Hein. Ici, va bien me chercher. Allez, viens avec tes spires. Je vais déployer tous mes épéistes sur notre flanc. Est-ce qu'on essaierait pas de passer en force? Oh, il est dans mes... On va attaquer. On va attaquer... On va ramener mon général aussi. Attends, là j'ai tous mes pièges. Ici ça commence déjà à paniquer. Les premières unités, voilà, je prends une sauce là-bas. Ici ça panique. Ready for orders. Et là on va venir encercler ces affreux. Ah oh, mes mecs ils sont bloqués, oh, je les déteste. Allez, on fait tout là-bas, on va aller les encercler. Ici j'ai une unité de phalange, je suis en train de tenir la baraque, je sais pas combien de temps elle va tenir, mais elle tient. Si je pouvais tuer le général, il est à 62 le général. Allez, on amène des renforts.
Allez. Ici, on va venir flanquer. Ici, on les a déjà. On a eu le général ennemi. Hein. Ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. On va venir attaquer tous les tireurs ici. Oh là là, mais attends, ils se font découper mes mecs là. Oh là là, oh là là, oh là là, j'avais pas vu ça. Allez, on les encercle là. Oh, la bombe a lâché, malheureusement. Oh là 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 là. Allez. Chargez-moi là-dedans. Ah, je prends des pertes, là. Ça prend des pertes. Ah, je préfère affronter les légions en race campagne qu'en ville, hein. Genre de loin, hein. Là, je peux pas utiliser ma cavalerie. Malheureusement, c'est ma cavalerie macédonienne, c'est mon gros point fort. Et je me retrouve à devoir faire un combat d'attrition contre des mecs qui sont gavés d'armure. Et qui ont un moral de dingue. Et là, ça panique. Putain, regardez, ils sont intestins. Ça tombe. On va amener le général, on va essayer de mettre un petit Warcry. Faire tomber le moral. Un peu d'expérience, ouais, mais bon. Je peux faire des exploits à la con. Je vois pas trop. Avoir de l'expérience, tu veux dire savoir faire les meilleurs exploits pour niquer le lien. C'est ça ce que tu essaies de me dire. Ton expérience. C'est bien ce que je pensais. Ah putain, il y a encore du triari. Et c'est mes mecs qui fuient. Là-bas, ça panique, parfait. Ici, on a gagné la bataille. On a dégagé les mecs. Ok, parfait. On est en train de le faire. C'est long, c'est du grind. En fait, ils ont pas attaqué. Ils ont pas attaqué ou j'aurais aimé qu'ils attaquent. Ouais, je dis ça, mais je suis le premier à les faire, hein, les exploits. Je suis le premier à les faire, hein, sur Medieval 2 et tout, c'est sans pitié. Hein. Ok, là, je me barre. Mon général en phalange. Allez, on pousse. Putain, ici je me fais croquer par. Ok, là ça panique. Oh putain. Putain, il y a encore des troupes là. Oh putain, mon. Unité qui fuit, allez, à 53. Je peux pas leur en vouloir. Ah non, je déteste les batailles en ville, hein. Surtout une légion romaine pleine, quoi, c'est ça le truc. Là, je me fais découper par des triari. J'ai aucune chance. Et là, ça panique. Oh, ça tombe pas forcément tout dans le roi. Putain. Mon général qui se fait casser la gueule. Pas de ça, je leur fais rien à ces connards là. Putain, l'enfer. Il est attaqué au pire endroit. Il est en train de me découper. Un triari qui m'éclate une unité entière. Je crois que surtout que c'est à attaquer en ville le Romain, c'est surtout pas une bonne idée. Voilà, bon.
Ah, elle a attaqué là, au seul endroit où je voulais pas qu'elle attaque. Hein, et elle attaquait avec tout. Hein. Et comme les unités sont d'une lenteur épouvantable, c'est là où vous avez joué à round 2. À... tout un tas de mecs qui fuient. Si je perds mon général, vraiment c'est bon quoi, ça tient. Il y a juste tellement de mecs quoi. Et les triari là, je leur fais rien les triari, mais ouais, mais putain, mais. J'aurais jamais dû aller prendre cette merde de ville, j'aurais dû me débarrasser de cette phalange en ville. Regarde l'état de mon armée! Je vais perdre plus de 1000 hommes! Qu'est-ce que tu me parles? Que j'ai des bonnes troupes en frontal, il m'explose en frontal! Il a des meilleures troupes que moi en frontal, ma seule chance c'est d'avoir ma cave et de réussir à flanquer, mais là je peux pas flanquer! Il m'explose! Putain! Le Romain en face à face, tu le manges pas le Romain! Tu le manges pas! Rien faire contre le Romain, t'es obligé de jouer sur les flancs, mais là j'ai pas accès aux flancs. Et quand j'ai accès aux flancs, il a de l'excellente troupe de cac. Regardez les triari, je leur fais rien là en dégâts. C'est que non, t'as eu le temps pour compléter. Ouais, je suis même pas sûr que j'ai du temps pour compléter. T'as aucune garantie que j'ai pas une légion qui va me tomber sur la gueule dans 3 tours et qui va traverser l'Adriatique. Aucune garantie. Qu'est-ce qu'elles sont lentes, les unités. Oh là là. C'est terrible. Hein. Là, c'est les Romains, ils sont pas surestimés. Ils sont extrêmement forts, les Romains. Je sais pas qui les surestime, hein. Tu crois que j'ai eu le temps, j'aime bien, toi, tu parles comme si tu sais, ah oui, j'ai eu le temps de mettre ma défense en place. Connard, je viens de prendre la ville il y a un tour. Explique-moi comment je mets de la défense, ma défense en place. Je viens de la prendre, la ville, hein. Putain, les experts du chat, tu sais. Ah, mais moi, ça marche tout le temps quand je le fais. On va voir ailleurs si j'y suis. Il y a même pas de mur ni rien. Strat pour plus tard. Gardez-les vos strats pour plus tard. Je sais comment défendre une ville. Mais là, j'ai autre chose à faire que planifier une défense alors que j'ai pas de troupes et que j'ai pas d'argent non plus. Oh là là. Ok, ça panique là. C'est bon. Mon général, ça tient. Allez, on fait de la perte. Là, on va venir encercler les mecs ici. On a encore des renforts qui arrivent. C'est Apollonia, c'est Apollonia. C'est la dernière légion romaine en Grèce qui vient essayer de reprendre Apollonia. Et ça se passe pas forcément bien pour ma gueule. Parce que le Romain en ville, il est intestable. Il m'éclate la tronche, le Romain en ville. Cette bataille me coûte tellement cher. Apollonia valait pas cette bataille. Hein. Sans déconner, hein. Apollonia ne valait pas cette bataille. Hein. Si j'avais su, je l'aurais fait en race campagne. Ma bataille, elle se serait bien passée en race campagne. Hein. Là, le Romain, hein, je peux pas utiliser mes atouts, quoi. Je suis obligé de prendre le feu comme une merde. Allez, on va pousser. Hein. C'est bon, j'en ai marre, là. J'en ai marre. C'est du tireur en face. Les triari, je leur fais, putain, j'arrive pas à tuer des poignées de triari. On continue d'amener des troupes dans la fournaise. Sans se prendre un Bakhmut, ok, il y a des troupes qui commencent à avoir l'air de fuir. Ok, là c'est bon, on les a eu. Je vais au moins prendre plus de 1000 pertes sur cette bataille. Hein. C'est ma pire bataille contre le Romain. Ma pire, hein, en ville. Hein. Je connais pas du tout Sparte en fait en termes de gameplay, donc je pourrais pas te dire. Allez, on les encercle, ça commence à faire. Oh, c'est moi, regardez, vous vous rendez compte, les triari.
les Triari viennent de me péter la gueule. Et ouais. Terrifiant. Bon, on va essayer de se débarrasser de cela. Voilà. On va aller submerger. Est-ce que j'aurais pas un petit Warcry? Essayer de faire tomber du moral là. Voilà, allez, tiens, il a pas aimé là, le petit Warcry. On va aller attaquer le Triari qui est là-bas. On y est presque, hein. On va en tuer le plus possible. On va en tuer le plus possible. On les laisse pas partir. Hein. On les laisse pas partir. Hein. On les laisse pas partir là. Putain, la bataille de l'enfer! Cette bataille m'a coûté tellement cher. Je sais pas combien de pertes j'ai pris, mais je dois être à 1500 peut-être. 1000-1500. Un vrai désastre. Un vrai désastre. On va essayer d'aller choper les stacks de retardataires qui se barrent là-bas. Je pense pas que ça sera aussi dur. Comme je dis, si j'avais su, je l'aurais fait en... Regardez, oh là 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 là, allez, capturez-moi tout ça. Parfait. Le régal. Le régal. Je vais juste rester là à savourer ma bière et profiter du carnage. Hein. Est-ce que je peux recompléter mes navires de guerre top tier dans un port banal? Ou alors est-ce que je suis obligé de recompléter au Pirée? Ton armée est morte. Ton armée est morte. Est morte. EST. M-O-T-R. Tu veux que je t'explique comment fonctionne un adjectif et la conjugaison d'un adjectif? Putain. Oui, tu peux, ok. Les bateaux complètent dans tous les ports. Ok, bon à savoir. Bon à savoir. Et là, on chope les derniers retardataires, voilà. Allez. On a mangé 3 légions à cette session. 3 légions romaines. 3 entières. Vraiment. Ça va devenir difficile. Hein. Regardez les pertes. Ah, ça va. Ça va. Vous savez quoi? 833 pertes. J'avais un peu surévalué mes pertes. J'avais un peu surévalué mes pertes. Ça fait comme si, ouais, j'avais affronté une légion. Ça s'était mal passé. Voilà. En général, j'étais sur 500 pertes face aux légions, je suis à 800. Le corps de mes hoplites est pas trop dégueulasse. On va aller faire un peu de turnover. Ah là, je peux pas traverser l'Italie. Hein. Là, je peux pas traverser à l'instant T. J'aimerais, mais je peux pas aller me poser en Italie. Hein. Impossible. Il va me falloir un peu de temps. Mais le fait qu'on ait booté... Le fait qu'on... Ah non, mais on n'a pas booté le Romain d'Italie. Il y a encore l'autre ville au nord. Mais au pire, celle-là, on va la libérer. Celle-là, éventuellement, on pourra essayer d'aller la libérer. Ou peut-être que les barbares vont s'en charger. Le Romain, il avait déclaré la guerre à son voisin, là-haut. Un peu au nord. Allez. Allez, on exécute. Hein. Au revoir. Casse-toi. Là, il y en a beaucoup qui ont réussi à se barrer dans cette armée, là. J'espérais en avoir tué plus que ça. Ouais, il y a du cuivre, j'avoue. Oh, Carthage qui débarque pas. Mais merde, Carthage, à ton port, là! Je crois que c'est la flotte romaine qui est en train de casser... je crois que c'est la flotte romaine qui est en train de casser les armées de Carthage. Je pense pouvoir monter l'écho et monter une deuxième armée. En fait, c'est plus la manpower que l'argent, le problème. C'est la MP. C'est plus la MP, je pense, qui est un peu difficile à mon niveau, là. Ouais, de l'argent j'en ai. Je commence vraiment à en avoir, mais on... parce que en soi, mon économie elle est préservée, je suis en paix, je me bats sur mes frontières, je me bats chez les ennemis. Donc mon économie elle va plutôt bien. Je suis en train de même, je continue de développer mon écho. Mais c'est la MP qui suit pas. Donc je vais commencer à lever de plus en plus de mercenaires pour compenser. Vu que j'ai l'argent, on va faire ça. Hein. Baisse les taxes pour la pop, je vais essayer. On va voir si je peux me permettre financièrement. Parce que je voudrais bien lever une flotte de guerre.
aussi. Et peut-être aller... Je voudrais bien aller peut-être couler les flottes... les flottes romaines dans ce coin-là. Hein. Et des Carthages peut-être. Je voudrais bien filer un coup de main à Carthage. Hein. Carthage qui tient encore Syracuse en soi. Alors, promouvoir le suspect, allez, tôt. Ok, 4500 thunes, ça en prend, ça fait plaisir. Oh non, attendez, mon roi est mort, c'est une blague. Ah merde, j'ai le suspect, merde, c'était le mec que j'ai mis en tôle. Bon, c'est pas grave. J'avais oublié, ouais, tant pis, allez, on va en prendre un au hasard. Lui, il a un beau casque, quand même. En soi, l'armée va pas si mal que ça. Hein. Regardez. L'armée va pas si mal que ça. Hein. On va recompléter très rapidement. Alors, à Apollonia. À Apollonia, je voulais installer peut-être des amphores, du vin, faire du trade, passer le niveau 2, pareil ici. Olive Oil Trader, qu'est-ce qui serait le plus important? Produire beaucoup d'huile d'olive? Ou alors aller chercher l'argent? Ah ouais, moins 6 d'ordre public. Ouf. Mais faire plus d'huile, 40 d'huile d'olive et de la bouffe pourrait être intéressant. Je vais aller chercher l'huile d'olive parce que je vais toujours avoir des problèmes de bouffe dans ce run. Ah, mon champion qui est de retour. Mon champion va aller... Ah non, c'est pas mon champion. Eh bien, mon champion, je crois qu'il était de retour. Où est-ce que je vois mon champion? Où est-ce que je vois mon champion? Une idée, les gars, de où je vois mes personnages... Ah, attends, j'en ai pas beaucoup. Non, ça, c'est mon Basileus. Il a des pop, il est blessé, mais il me semble qu'il est revenu. Il me semblait qu'il était revenu. Oh, peut-être que je me trompe. Tuning... Il est à Larissa, ok. Plus d'autorité. Voilà. Non. Ah non, zut. Il est à Larissa. Il est à Larissa. Ah oui, il est là, Larissa, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. On va l'envoyer en mission en Italie, voir ce qui se passe. Parce que là, il n'y a plus de légion. Hein. Ça a l'air de s'être un peu calmé. Le flot continu de troupes romaines. Là, son armée allait dans le mal. Ici, on est en train de recompléter. On est en train de recompléter. En fait, on est pas mal du tout. Oh, Athènes qui a pris un nouveau slot de bâtiment. Athènes, qu'est-ce qu'on fait à Athènes? Est-ce qu'on remet un agora? Est-ce qu'on part sur un peu d'industrie? Mais moi, je suis enclin à... Je serais enclin à remettre un agora. 3 légions de plus. Eh, les gars, ça va, le pessimisme, là? Le pessimisme Regardez, mon armée, là, je peux prendre une légion, hein. Mon armée, elle n'est pas dans un état lamentable, hein. Et on peut même lever du Mercos, et on va lever de la cavalerie supplémentaire. Et on va même peut-être faire ça, merge, voilà. Toi, je vais te disband, voilà, et on va lever une cavalerie en plus. Voilà, 4 caves, ça va être parfait pour casser du Romain. Pendant ce temps... ma flotte de guerre, on va la ramener au Pirée. J'ai envie de faire des nouveaux vaisseaux lourds. Voilà. Une bibliothèque, ouais, je fais pas de bibliothèque, moi. Hein. Moi, je veux juste faire grossir mes villes jusqu'à l'excès. C'est le premier run qui se passe bien avec Sparte. C'est le premier run qui se passe bien avec Sparte. Le tout premier sur mes dizaines de tests, j'avais jamais réussi à faire ça. Donc, et on a quand même cassé 4 légions romaines. Ce qui, je pense, est pas dégueulasse du tout.
Et ouais, on est pas mal, on est pas mal au niveau des thunes. Je vais peut-être, vu que j'ai de l'argent dans les caisses, baisser les impôts pour repasser en positif ici. On a beaucoup de bâtiments en construction, ce qui est une bonne nouvelle. Apollonia. Ok. Sûrement l'aide du chat. Ben, le chat, mine de rien, donne des tips. Parfois. Rarement, le chat donne des tips intéressants. Bon. Let's go, hein. Putain! Ce run ce soir, 3 légions de pété. La dernière fois, 2 légions. On fait le boulot. Ouais, il va falloir se investir dans la flotte. C'est le prochain plan, c'est le prochain plan d'investissement. J'ai déjà une bonne armée. Oh là, il me fait peur, l'Égyptien. Mais le prochain investissement, c'est une grosse flotte de guerre pour aller couvrir l'Adriatique. Et ça me permettra peut-être de débarquer en Italie et de commencer à peut-être libérer sur un raid, de libérer un allié italien, par exemple. Parce qu'on peut libérer plein de choses en Italie. Alors figure-toi, étoile du matin, que j'ai soigné ma diplomatie depuis le début et que j'ai réussi à faire des pactes de non-agression en donnant un peu d'argent. J'ai des accords de commerce avec tous mes voisins, à part forcément Rhode, mais maintenant Rhode, on est en bon terme. J'ai soigné ça parce que je me suis fait avoir sur d'autres runs qui ne sont pas si bien passés à cause de ça, entre autres. Bon, déjà, Rome, ça suffit, hein. T'as vu la gueule du machin, quoi? Sacré challenge, hein, Sparte, hein. Mais c'est fun, hein. En fait, il faut se battre contre les Romains le plus tôt possible, parce que dès qu'ils ont leur réforme... Alliance défensive, regardez ça! C'est qui propose l'alliance défensive? Les Dardanoï. Les Dardanoï, écoute quoi, tu sais quoi? Non, je vais pas la prendre, je suis désolé. Je vais pas prendre ton alliance défensive parce que ça risquerait de me mettre en... Ça pourrait être problématique avec tes voisins. Je veux être neutre dans vos affaires, les gars. Pas de parti pris, pacte de non-agression, accord de commerce. Pardon. Eux, c'est les amis de Rome, je sais. Mais le problème, c'est que s'ils se font backstab par leurs voisins, je pourrais me retrouver avec une armée à... en deux tours, avec une armée à Pella. Et je pourrais pas défendre. On va continuer à travailler. C'est vrai que je voudrais pas avoir trop d'incidents politiques. On va commencer à travailler sur ça. Alors normalement, ma flotte va revenir au Pirée. La flotte est de retour. Voilà. La flotte est de retour et on va lever... on va lever de la troupe, les gars. Matez-moi ça. Je vais même ferrailler mes petits navires. Mes petits navires... On va les mettre. Non. Voilà, toi, tu dégages. Voilà, on lève la grande armada. Et on va aller voir ce qui se passe au nord. Faire un peu de renseignement à Epidamos. Voir ce que fait le Romain là-haut. Tiens, donc où est le Romain? Ok. Écoutez, moi ça me va. Je vais me permettre de quitter hop, la ville. Se mettre en patrouille. Parfait. Il y a une espionne romaine à la con dans la ville, là. Ça fait longtemps qu'on a plus vu de légion romaine. On va aller voir ce qui se passe un peu en mer, parce que... Oh, j'ai peur que... Oh, le Carthaginois s'est fait exploser ses armées en mer par la flotte romaine. Oh là là, le désastre. Ouais, les petits navires. Je vais en garder un ou deux. Et basta. En tout cas, là, on est... Ah, regardez, j'ai accès à mon tiers supérieur de bouffe. On va prendre de la nourriture. Ouais, mais faut pas qu'il y ait trop de micros pour moi, tu vois. Bon! Est-ce qu'on s'arrêterait pas là pour ce soir? Je pense que ça fait quand même une bonne session de bagarre. Et on a pas mal... On a pas mal grossi. On a booté quasiment...
on a booté le Romain hors de Grèce à part Epidamos. Et le Romain a lieu à... Je pense qu'on a tellement saigné le Romain que on voit plus de légions sur la carte, en fait. On voit, il y a bien la petite armée ici, mais elle fait la gueule. Mais sur la carte, ça fait longtemps qu'on n'a plus vu de légions. Hein? Ce qui était pas... Avant, c'était pas arrivé, hein. Et le Romain, ouais, il est toujours en guerre contre Dardanoï et c'est tout. Maintenant, je voudrais bien savoir ce qui se passe là-haut. Est-ce que le Romain a déjà conquis le nord de la Gaule? Est-ce qu'il est en train de le faire? Il me faudrait... je vais envoyer mon... je vais peut-être envoyer mon champion aller voir ce qui se passe là-haut. Il va se refaire rapidement. Ouais, ouais, il va se refaire rapidement, sans aucun doute. Mais dès que j'ai le temps, là... dès que mon armée est complétée, je vais essayer de trouver des cibles juteuses qui sont pas défendues par des murs. Comme Ariminium, je crois qu'il y a un autre bled dans le coin, là-haut. Et on va juste y aller, faire libérer un état client, et on se barre. Et le but va être de faire des hit and run pour essayer d'affaiblir Rome. Ça va être le but du jeu. Hein. Sous la protection de ma flotte. Et on va essayer de taper non-stop. Tant que je suis safe à mes frontières au niveau diplôme. Et au passage, on pira, on fera de l'argent. Et basta. Bon, je m'arrête là. Session 3. Tac. Session 4. En tout cas, c'est fun. Hein. Pas facile, mais c'est fun. Hein. Hop. Cible facile, ouais, c'est ça. On va éviter d'aller là où il y a des murs. Mais ouais, mais le problème de Cosenza, c'est qu'il faut que je fasse tout le tour pour aller attaquer dans le port. C'est plus simple d'aller, je crois, au nord de Rome, là. Il y a un bled où il n'y a rien. Il y a un bled où il n'y a rien. Ça fait des allers-retours plus facile. Demain. Je fais un Fallout Lore en soirée, 20h, je sais pas sur quoi. Les armées n'aiment pas la mer. Ouais, mais t'inquiète, on a des bateaux de ravitaillement pour ça. J'ai prévu le coup. Et en après-midi, je sais pas ce que je fais. Si je fais quelque chose, on verra bien. Peut-être que demain, je continuerai mon run sur Sparte. Sur Sparte demain, tiens. En début d'après-midi, on verra. Et ouais, y a pas de port à Cosenza. T'es obligé de débarquer, ce qui est un peu long. Passez une bonne soirée, bonne semaine. Sûrement dans les prochains jours. Et puis je vous dis à ciao. Merci pour tous les tips. Salut.